Salut Noisy, ça va? Hop, bon j'arrive, je vérifie les préparatifs. Tu m'entends bien, pas de soucis? Salut Noisy, ça va? Hop, alors non, c'est bon. Hop, allez. Hop, bon j'arrive, je vérifie les préparatifs. Tu m'entends bien, pas de soucis? Ouais, on peut dire ça, ouais. Ouais, parce que aujourd'hui, c'était pas du tout prévu que je le reçoive, mais bon, grâce à mon frère aîné, j'ai reçu le Starlink Battle for Atlas, et donc du coup, bon, bah, comme ça, Ouais, on peut dire sera ça, ouais. l'occasion de le tester, voir ce que ça donne, ce jeu à Ouais, parce figurines. que Parce qu'il aujourd'hui, paraît qu'il est pas si mal que ça, au niveau du côté shoot'em up, ressources, etc. Space Opera, quoi. Battle for Et Atlas, après, je et suis donc du curieux de coup, voir le côté Star Fox dedans, donc du coup, bon, bah, on écoute, peut le tester, voir ce que ça mon donne, ouais. frère m'a dit que je pouvais y jouer, Ouais, donc c'est c'est vrai que sympa de sa part, on va tester ça. ça C'était un jeu qui peut être m'intéressait, hein, sympa. mais uniquement pour le côté Star Ah, Fox, parce que ouais, c'est vrai que le pour jeu le coup, lui-même, hein, bon, ça va être du shoot'em up générique, je m'en foutais un peu, mais bon, comme ils ont foutu Star Fox dedans, avec une campagne qui apparemment est sympathique, bon, c'est écoute, vrai on que va ça voir ça, hein. m'intéressait, hein, mais uniquement pour le côté Star Fox, parce que le jeu lui-même, hein, bon, ça va être du shoot'em up, Ah merde, ok, mais attends, c'est vrai que je sais de quoi ça pour vient le coup, l'écho. shoot'em up, C'est parce ouais, qu'en c'est fait, vrai que pour le coup, j'ai laissé le replay back sur le ouais, PC c'est en vrai fait que pour le du coup, stream. Hop. ah merde, ok, attends, je sais de quoi. Ok, normalement c'est bon, il a dû disparaître là. Ouais, non, c'est parce que en fait, comme j'avais laissé le replay back sur mon PC, forcément, bah, ça. Le son du PC en fait était renvoyé dans le logiciel de stream, ce qui faisait un double écho en fait. Hop, là normalement c'est bon, tu l'entends plus. Hop, bon allez, bon ben fini présentation. De toute façon, Starlink, je pense que la plupart des gens connaissent, hein, surtout que le jeu il a bidé de ouf, alors, du coup, c'est plus vraiment une surprise. Hop, allez, testons ça. D'ailleurs, c'est un peu le bordel hein, pour le lancer sur Switch, parce que le jeu il a l'air tellement grand pour la console qu'il a fallu télécharger un patch de 6 Go en dehors de la cartouche pour le lancer. Le jeu il est même pas complet sur la cartouche. Hop, bon après je connais rien sur le jeu, je dis juste que c'est du space opéra shoot'em up avec des ressources à prendre, des missions à faire, des planètes à explorer, etc. Bon, ça a l'air sympa le principe, hein. Bon après il faudra voir ce que ça donne, et surtout voir comment est conçu aussi le. Et voir aussi comment est conçu en fait les vaisseaux, donc du coup de l'univers Star Fox dedans quoi. Ah, il y a un mode coopération dans le jeu, d'accord. Parce qu'en plus là, le truc c'est qu'aussi le jeu passe par une manette un peu spéciale, enfin une manette spéciale. C'est un peu bizarre, je sais pas trop comment expliquer. En fait, si tu veux, c'est un grip. C'est un grip, tu sais, comme tu peux caser les Joy-Con, quoi, tu sais, comme le grip normal. Sauf qu'en fait, t'as un espèce de socle sur lequel tu peux foutre les figurines. Tu peux brancher en fait les vaisseaux, le pilote. Tu peux brancher les vaisseaux, le pilote du vaisseau, et après les canons, et les canons sur le vaisseau. Donc, c'est assez particulier. Après, le truc, c'est que bon, en fait, comme t'as le vaisseau qui est clipsé sur la manette, ça augmente un peu le poids. Et ça te fait surtout un vaisseau au-dessus de la manette quand tu joues, c'est un peu chelou. Mais bon, on va voir. On va voir ce que ça donne. Ouais, bah ouais, ça a habillé. Ouais. Bon, vite fait pour les présentations, pour ceux qui connaissent pas trop Starlink, en fait. Bon, vous n'êtes pas sans savoir hein, qu'évidemment, il y a eu le raz-de-marée Skylanders, qui a été le jeu vidéo à base de figurines, qui avait été un carton monumental quand c'est sorti en 2011. Donc, au fil des années, forcément, il y a eu des concurrents comme Disney Infinity, il y a eu. Comment ils s'appellent les autres là? Lego Dimension, après il y a les Amiibo qui ont été créés par Nintendo forcément. Donc le truc c'est que bon ben le truc c'est que bon ben c'était génial hein, ça a super bien marché, les Skylanders plus que d'autres d'ailleurs avec les Amiibo. Les Lego Dimension et Disney Infinity ça a marché un peu quelques temps, après ça s'est cassé la gueule, plus personne n'en voulait parce que c'était toujours pareil, les jeux n'évoluaient pas. Au final, actuellement ne subsistent que les Amiibo qui continuent à marcher, mais bon pas parce qu'en fait ce sont des figurines avec lesquelles on peut jouer. Sur les jeux Nintendo, mais parce que ce sont des figurines forcément de l'univers Nintendo. Donc maintenant, les Amiibo, c'est plus des figurines de collection que vraiment des personnages qu'on va utiliser sur le gamepad de la Wii U à l'époque ou alors sur la Switch pour pouvoir jouer avec quoi. Donc, et puis de toute façon, le succès de Nintendo depuis plus de 30 ans et ses personnages faisant que bon, forcément, les Amiibo marchent encore. Même si la folie Amiibo s'est un peu calmée quand même depuis le temps, hein, c'est plus aussi violent qu'avant quand même. Et donc, du coup, par conséquent, donc bref, je finis l'anecdote. On sait pas pourquoi. Ubisoft, l'année dernière, il décide en fait de lancer un nouveau représentant du jeu vidéo à base de figurines, alors que tout le marché s'est cassé la gueule autour de ça. Donc je ne sais pas pourquoi, mais bon, Ubisoft a fait ça. Malheureusement, ce qui était à prévoir, bah, c'est que le jeu s'est cassé la gueule, personne n'était intéressé parce que tout le monde est passé à autre chose. Et forcément, bah, là, le jeu, là, à l'heure actuelle, il s'est retrouvé déjà à 30 balles en solde, avec les figurines qui sont bradées à moins 50%, etc. Le seul truc qui a sauvé Starlink, et parce que ça, c'est Ubisoft qui ont eu l'idée ingénieuse,
c'est faire un partenariat avec Nintendo pour pouvoir faire en fait un partenariat pour réanimer Star Fox, donc du coup qui est un personnage de l'univers Nintendo qui est un peu mort depuis on va dire des années. Si on exclut Star Fox Zero qui était pas vraiment pas terrible sur la Wii U, enfin moi je l'avais pas aimé en tout cas, c'était une merde. Donc du coup voilà, donc les fans ils se sont on va dire jetés sur ce jeu parce qu'il y a Star Fox dedans. Alors après il paraît que c'est pas qu'un simple bonus, il paraît qu'il y a une campagne de dédiée à Star Fox qui a été créée dans ce jeu qui s'appelle Star Link Battle for Atlas. Donc du coup c'est ce qu'on va voir. Voilà, donc j'ai fini l'anecdote, hein, désolé les gars. Attendez, je rattrape le retard sur le chat. Ah salut Tom, ça va? Ah bah merci, hein. Ah oui bah c'est vrai que j'ai oublié, c'est mon premier stream de 2019, donc du coup bah bonne année à vous hein, Tom, Noisy et ainsi qu'à toutes les personnes qui passeront probablement sur le live ou qui regarderont la diffusion. Donc meilleurs vœux, hein, j'espère que cette année hein, sera synonyme de bonheur pour vous, de travail, de santé, etc. Bon bref, un habituel, hein, mais bon, c'est sincère en même temps. Et puis voilà, du coup, ben, concernant le jeu vidéo, ben, j'espère que cette année sera riche à la fois pour le jeu vidéo, mais aussi pour nous, pour partager, hein, donc du coup, sur ma chaîne ou sur la chaîne des autres, hein, sur les chaînes de Ryu, Dorn, Fox, etc. Bon, il y a tellement de personnes qui veulent le coup d'être vues sur YouTube, de toute façon, qu'on en aurait pour toute la nuit, là, pour lister tout le monde. Et puis voilà. Bon, enfin, sinon, bref, vous allez bien alors, du coup, Tom et Luigi? Et donc du coup, bah encore bonne année à vous. Et allez, cette fois, nous sommes partis pour Starling Battle for Atlas. Alors attendez, qu'est-ce que vous disiez ensuite? Me tend bien ce petit Starling, petit vaisseau de Star Fox et scénario inédit. Ouais, voilà, c'est ça. Non, c'est Tom qui a dit ça? Oui, Tom, pardon. Apparemment, il est moins beau que les versions PS4 et One. Oui, pareil. Donc du coup, à voir si jusqu'où c'est. Il faut que je regarde les deux comparatifs d'ailleurs entre la version Switch et la version PS4. De Starlink pour voir s'il y a vraiment de grosses différences graphiques. Oui, en fait, on joue à Poly Pocket sur une manette. C'est un peu l'idée, ouais, en y mettant les trucs. Au fait, Nono, j'ai fait mon mial coupage, j'ai pris le Spyro. Et je prends du plaisir, par contre, je déteste toujours autant les niveaux. Ah bah. Eh bah tu vois, 2019, t'as changé Noisy, t'as vu tes résolutions. Maintenant t'acceptes de prendre des jeux, même qui sont à moitié complets sur le Blu-ray, pour pouvoir prendre du plaisir immédiat. Dis donc, il va pleuvoir. Non, et puis sérieusement, bon, en enlevant ce délire hein, du démat à part, bon bah tant mieux, hein, content que tu t'amuses du coup sur Spyro PS4, il est génial. Mais après, oui, c'est clair que les niveaux aériens, avec les circuits, les objectifs, etc., ils sont balèzes, hein, franchement. Ils sont vraiment pas faciles, on est d'accord. Eh, salut Bibi, ça va? Alors figure-toi que j'étais tenté de l'acheter le Starlink à cause de Star Fox. Bon, je vais pas relancer l'anecdote, mais en fait c'est mon frère qui a commandé le jeu et qui l'a amené chez moi sur une erreur en fait. Le jeu il devait le récupérer pour lui, mais au final il est arrivé chez moi. Bon, j'ai pas compris pourquoi, mais bon il m'a dit que je pouvais jouer, donc du coup bah écoute, hein, merci, c'est sympa de sa part. Et puis voilà. Mes nuits blanches de la petite. Ah oui merde, forcément. Ouais bah moi c'est pareil, j'avais eu un gros. Moi c'est pareil, là, mon frère il avait amené sa. Pour l'anecdote rapide, il avait amené sa. Enfin ma nièce. Et du coup, bon, on a dû la garder, mais pendant toute la nuit, elle était infernale, etc. Oh putain. On avait à moitié dormi. Mais bon, on s'était bien amusé, donc c'était bien. Ah oui, non mais au solde de janvier, ou voire même en février, il est fort probable qu'il va passer à ce prix là, hein, Tom. Bon allez, attends, commencer une partie, comment utiliser Starlink, option. Alors, gameplay. Commande. Inverser la caméra. Bon ça, je l'inverse tout le temps moi ça. Axe Y, je l'inverse toujours. Vibration, oui. Tirallier, ouais, non. Visée assistée, haute, maximale, moyenne. Bon, on va la mettre sur basse. Sous-titre et langue. Ah, j'avais cru comprendre qu'apparemment les voix françaises du jeu étaient pas terribles. Mais apparemment, il y avait la voix de Norman dedans. Bon, écoute, on va voir. Hein. Je vais laisser comme ça. Si c'est vraiment dégueulasse, je passerai les voix en mode en anglais. Éléments visuels, palette de couleurs, afficher la minimap. Oh putain, il y a beaucoup d'infos. Bon, on verra plus tard. Allez, comment utiliser Starlink? Bon, je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin, je veux dire. Bon, attends, je vais regarder le tuto quand même. Bienvenue dans l'initiative Starlink. Je suis Sage et je suis là pour t'expliquer comment utiliser Starlink pour créer ton vaisseau. Pour commencer, glisse tes manettes Joy-Con dans le. Oui, bon, en gros, c'est ce qu'on savait déjà. Appuie jusqu'à entendre le clic du verrouillage. Ouais, bon, ok, bon, c'est bon. Du coup, je vais pouvoir placer. Du coup, je vais pouvoir placer le vaisseau Fox et compagnie dedans. Allez, commencer une nouvelle partie. En fait, je vais sauvegarder les deux autres jeux sur une clé USB. Bonne question. J'ai jamais essayé sur une clé USB, Noisy, concernant
J'ai jamais essayé sur une clé USB concernant les gros jeux PS4, mais je pense pas que ce soit aussi efficace qu'un disque dur externe, parce que c'est pas, bon, on va pas rentrer dans les détails hardware, hein, mais c'est pas du tout, tu sais, les mêmes types de données, etc. Les clés USB, je pense pas qu'elles sont faites pour gérer, pour stocker un gros jeu comme ça, quoi. À mon avis, il vaudrait mieux que tu fasses appel à un disque dur externe. Ils sont beaucoup plus appropriés pour stocker des grosses données, et surtout des gros jeux de console, quoi. Après, je dis pas que ça marche pas, hein. Ça peut marcher, mais... Pour l'anecdote, en fait, j'avais mis par exemple les DLC de Mario Kart 8 ainsi que les j'avais mis les DLC de Mario Kart 8 ainsi que les patchs de Mario Kart 8 sur une clé USB pour la Wii U à l'époque, vu que j'ai une Wii U 8 Go et j'avais pas assez de mémoire interne. J'avais tout foutu sur la clé USB. Le problème, c'est que la clé USB, comme les données sont pas assez rapides, bah la clé USB, il arrivait que quand je jouais à Mario Kart 8, elle crachait en plein milieu, et donc du coup, bah, j'ai été obligé de faire appel à un disque dur externe pour pouvoir foutre les pour pouvoir que Mario Kart 8 en mettant les DLC et les mises à jour sur le disque dur externe. Ça marche, quoi. Donc du coup, moi perso, je conseille pas une clé USB. Si t'as un disque dur externe qui traîne, vaut mieux utiliser ça, quoi. Moi, de toute façon, les serveurs, quand les serveurs sont sur le point de fermer, moi, c'est ce que je ferais. Hein. J'utiliserais un disque dur externe pour stocker toutes mes données de PS4, de Xbox One, etc., quoi. Alors après, il faudra plusieurs disques durs externes, parce que le problème, c'est que la majorité des consoles, elles ont un format propriétaire. Donc si t'as formaté un disque dur externe au format PS4, tu pourras pas l'utiliser sur une Switch, une Wii U, un PC, etc. quoi. C'est un peu le bordel. Ouais, il y a la voix de Norman dedans, je sais pas quel personnage il double, donc on verra bien si j'arrive à reconnaître sa voix. Mais bon, franchement, oui, quand il y a marqué sur la boîte, attention, dans Starlink, vous avez la VF de Norman. Putain, moi perso, je sais pas vous, ça me donne pas envie d'y jouer, alors, du coup. Enfin, pas d'y jouer, mais pas envie de l'acheter, quoi. Ah ouais, tu penses, moi je vais se regarder. Ouais, moi perso, je conseille plus un disque dur externe. Bon, je vais en discuter normal, pas se prendre la tête. Allez hop, c'est parti. Désolé pour tout le blabla, allez, on va enfin commencer le jeu. D'ailleurs, vous m'entendez bien par rapport à la musique, y a pas de problème au niveau du son, etc. Assure-toi que le support et la Joy-Con sont aussi près que possible de la station d'accueil pendant la mise à jour. Ne retire pas le bouton Home et n'appuie pas tant. Oh putain, ils sont relous les gars. Putain, il faut faire un calibrage quoi. Bon, attendez. Alors, ok, je suis obligé de me lever. Il faut que je fasse le calibrage. Alors, station d'accueil du dock. Ah oui, en plus, forcément, j'avais mis une figurine en plus devant le dock de la Wii U, de la Switch. Donc, forcément. Bon, bah, je vais enlever la figurine parce que bon, je vais pas non plus le coller au dock hein, pour faire ce page de merde. Alors, ne retire pas le support. N'appuie pas sur le bouton tant que la mise à jour n'a pas été effectuée. Okay. Redémarrage du support, ouais. Support est à jour pour être utilisé, ok. Alors, lier un pilote, ok, bon ben c'est là maintenant qu'on branche les pilotes. Alors, il est où le Fox? Ok, bon, on va prendre le Fox, tac. Évidemment, je vais pas jouer plus d'autres personnages. Merde. L'animation est sympa pour le présenter. Avec le blablabla, comme sur Super NES. Là. Ah, oula, il y a du bon monde. Salut Jafar, salut Michel, vous allez bien? Les retours parlent d'un jeu répétitif. Bah, de toute façon, c'est du Ubisoft, hein, Michel, donc je m'attends pas non plus à du grand art. Hein. Je me dis qu'au bout d'un an, les missions vont vite tourner en rond, hein, c'est vrai. On verra bien. Hop, allez, donc du coup, maintenant, faut brancher la Wing. Hop, tac, alors, est-ce qu'il se met ce con? Ah, d'accord. Ah, c'est sympa, ça, en fait. Alors, bon, après, vous pourrez pas le voir, mais en fait, quand on branche le... on peut brancher la Wing. D'accord. En fait, on branche la Wing juste au-dessus du siège du pilote, là, où on a branché le Fox. Et donc, du coup, en fait, le Fox, il est à l'intérieur de la figurine de la Wing. Ça, par contre, c'est plutôt bien pensé. Alors par contre pour jouer avec, ouais, alors bon c'est un peu bizarre parce que j'ai la Wing juste en dessous, enfin juste au-dessus de mes mains, c'est pas super ergonomique mais bon, on va voir. Alors voir l'équipement, arme laser, modifier les vaisseaux, compétences du pilote, oh là, ah oui putain il y a des arbres de compétences à foison là, c'est du triple A actuel ça, voir l'équipement, voir les ailes,
Modifier le vaisseau. Ah oui, il y a vraiment une grosse composante RPG là. Enfin, grosse. Et du coup, c'est maintenant qu'on peut brancher les armes secondaires alors, du coup? Parce que là, il y a des armes secondaires que je peux brancher là si je veux sur le vaisseau. Ah oui, détecté. Barrage de givre, c'est des missiles de glace. Et après, là, j'ai un espèce de lance-flamme, on dirait. D'accord, donc ok, le truc en fait, il détecte à chaque fois les. Ok, d'accord. Donc en fait, le lance-flamme et le barrage de givre, c'était des espèces de petites figurines que j'ai clipsées sur les ailes de l'Arwing. Et il les détecte. D'accord. Pourquoi pas. Bon, écoute, on va laisser ça. ZL. Mais après, si on veut, on peut changer à volonté. Après, évidemment, bon, les autres armes, il faut les acheter, forcément, sinon ça serait trop. Compétence du pilote. Allez, hop, bon, bah c'est bon, hein, ça me paraît bien. Option, mode photo. Ah, il y a un mode photo, tiens. Je crois que c'est le premier jeu Switch que je vois qui a un mode photo, tiens. Bon, allez, B, reprendre. Par contre, putain, les Joy-Con avec le grip, là, quand t'as branché le vaisseau et les accessoires dessus, il devient un petit peu lourd. Hein. Je dirais qu'au niveau du poids, on n'est pas loin de celui du gamepad de la Wii U. Bah écoute Michel, bon, ça va bien avec toi, merci. Bonne année d'ailleurs aussi l'ami, je sais pas si t'étais là quand j'ai souhaité les meilleurs vœux. Et meilleurs vœux aussi à vous, donc Bibi, Jafar et Chewie. Donc salut Chewie, ça va. Meilleurs vœux 2019 à vous, hein, les gars. Hop, alors les ailes de la Wing disposent d'un laser intégré qui fonctionne. Oh attention, alors le scénario il va démarrer. Attention, est-ce que ça va être du grand art? Victor Saint-Grand, alors déjà putain le nom. Attendez, je regarde vite fait juste la cinématique, hein, s'il y a des messages après, désolé, je vous lirai tous après les gars. Des personnages quoi, tu peux faire plus cliché que ça comme chara-design flashy dégueulasse. Putain, on dirait le chara-design de Time Crisis 4 ou alors celui de ou alors celui de Resident Evil Révélation 1. Mais. C'est le même type de personnage au look très kitsch mais vraiment dégueulasse quoi. L'un de vous doit sortir pour aider Hunter à la disco. OK. Dans Alcyon, maintenant Atlas. L'artefact qu'on recherche ici pourrait nous permettre d'atteindre notre but. On est plus proche que jamais. Faites confiance. Alerte de proximité. On dirait que notre livraison n'arrive pas. Eh, salut Zav, ça va? Merci toi aussi, meilleurs vœux également Zav, ça fait plaisir de te voir, ça fait un petit moment. Tu racontes quoi de beau? Là je joue Doom 3 Resurrection of Evil. Ah sympa Chewie. Ah j'avais bien aimé l'extension de Doom 3, elle était bien sympa ouais. Par contre sur Xbox One, le portage il doit peut-être un petit peu piquer maintenant, même s'il était assez impressionnant pour la machine. Mais bon maintenant si je vais rejouer au Doom 3 je l'ai fait sur PC maintenant. Ou alors sur la version BFG sortie sur 360. Ah, le son du jeu n'est pas assez fort, Bibi. D'accord, ok, bon, bah je vais l'augmenter tout doucement. Après, du coup. Ah, du coup, c'est qu'avec l'équilibrage sonore, je sais jamais si je dois mettre plus haut, plus bas. C'est tellement chiant, tellement c'est sensible. Allez, c'est parti, frérot. Putain, mais la
duquel des persos, tu peux pas faire plus cliché que ça, quoi. C'est tellement kitsch. Bon bah c'est l'essentiel alors ça, que t'es toujours la passion du jeu et que tu joues toujours, même à 40 ans. De toute façon je pense que ce sera toujours mon cas également. Oui je confirme, pique un peu sur un CRT. Mais t'es en RGB ou t'es en RGB ou t'es en composite Choi. J'ai acheté le pack Starlink à mon fils. Ah bah voilà, ça y est, l'intégration de Star Fox elle est là. Vous avez vu ça? Ouais, mais c'est pas Wolf, donc on s'en fiche. Ils sont en mauvaise posture. Vous savez à quoi je pense? Hors de question, n'y pense même pas. On est jusqu'ici avec un seul objectif. J'aurais mieux fait de prendre ma retraite. Bon, Fox, il est toujours fidèle à lui-même, hein, toujours aussi avide d'aventure et de rentre dedans. Ah, attendez, j'ai acheté le pack Starlink, ok, j'ai lu. La totale avec la baisse de prix. Ah oui, putain, t'as acheté tous les vaisseaux, tous les petits personnages et tout, tous les éléments d'armes. Oh, ça a dû coûter cher au bout d'un moment. Je l'ai fait sur la BFG, Doom 3 Resurrection. Ouais, tu me l'avais dit, Jafar, ouais. Par contre, il y a un truc que j'aimerais savoir. On est vraiment obligé de jouer avec ça, parce que, personnellement, jouer tout le temps avec le vaisseau comme ça, ça va me saouler, quoi. Je préférerais plutôt jouer avec... Je préférerais plutôt jouer moi avec le pad pro contrôleur parce que j'ai cru comprendre que le jeu il pouvait enregistrer les figurines qui ont été débloquées et puis après tu pouvais jouer avec le pad pro contrôleur mais après tu changeais les armes comme tu voulais depuis l'inventaire quoi. Non parce que moi ça va me saouler de tout le temps jouer avec le vaisseau là juste au-dessus de moi quoi. Ah d'ailleurs, en plus ce qui est bien, c'est qu'on peut changer à volonté en fait. Attends, là si je retire là les... Attends, en plus le truc c'est que c'est fragile quoi, il faut... Là si je retire là les figurines, là c'est... ça... Attends. Ouais, non, ouais. En fait, si je retire les trucs, ouais, le jeu il est pas con en fait. Si je retire les trucs, effectivement, je n'ai plus le lance-glace en fait. Enfin, pas le lance-glace, mais le. Ah, c'est vraiment relou ça. Ouais, ok, en fait, le jeu il est comme Skylanders. Ouais. Du coup, il détaille. Les améliorations ne restent que quand en fait elles sont clipsées. Quand les figurines sont clipsées dessus, quoi. Effectivement, c'est chiant. Écoute, tant pis, on va faire avec, hein, c'est pas grave. Quasiment tout, mais a priori, ouais. Pareil, les vaisseaux, j'ai trouvé ça un peu lourd sur le pad. Moi, j'ai la version PS4, donc pas de Fox, à moi en vrai. Ah mince, d'accord, ça marche. Ouais, non, ouais, bah, moi, je pense que le jeu, de toute façon, même s'il est moins beau, j'allais le prendre sur Switch, rien que pour le côté Fox. Fox, avec la campagne supplémentaire, etc. Jafar, il est quand même mieux sur 360. Oui, il est allumé. Je suis en RGB, c'est pour ça que ça pique un peu, on voit mieux les défauts par rapport au composite. Ah oui, c'est sûr qu'en composite, c'est tout flou, donc forcément. Il est quand même mieux sur 360, j'ai envie d'allumer avec Xbox. Ok Fox, on est assez prêt pour les contacter. Je te connecte. Identifiez-vous. Qui êtes-vous? Ça va? Ici Star Fox. Vous avez peut-être besoin d'un coup de main contre ces crapules? Non mais d'où ils sortent ces types? En même temps, on aurait bien besoin de vaisseaux en plus. Vous en dites quoi, vous autres? Ils ont l'air plutôt sympathiques. Et on dirait qu'on va tous au même endroit. Ah, les commandes là du vaisseau, c'est effectivement pas du Star Fox classique là. Oh, putain.
Tac, ils sont là. Ah, il y a vraiment un côté RPG qu'il va falloir faire gaffe avec les armes et compagnie. Le fameux Do Barrel Roll. Donc c'est le bouton A pour faire les... Ce type là, l'espèce de fou d'asiatique, on dirait tellement Mitsurugi dans Soul Calibur, il a la même coiffure, la même dégaine à peu près. C'est ouf. Non, Grant. C'est assez scénarisé quand même, hein. J'aurais pas cru à ce point-là quand même. On navigue quand même pas mal entre le kitsch et le nanar quand même. Du tout la même personne. Alors c'est que chaque version est différente sur la console. Oui en effet Chewie. Alors sur PS4 et One grosso modo je pense que c'est à peu près pareil. Je pense que c'est à peu près pareil sur PS4 et One, en vu qu'en plus le jeu doit être plus beau dessus. Mais en fait sur Switch, Ubisoft et Nintendo, comme ils sont en bon terme maintenant, vu qu'ils avaient fait déjà en plus le Mario Lapin Crétin, en fait là ils ont fait un partenariat entre eux là pour intégrer Star Fox. Donc Fox McCloud, hein, Larwig, etc. Dans l'univers de Starlink, mais avec une campagne apparemment qui s'ajoute à celle du jeu de base. Bon après je sais pas, hein, c'est ce que j'ai pu comprendre. Donc en fait là on va avoir des missions en parallèle avec celle de Fox et après visiblement avec les missions également de du jeu original quoi, du jeu original Starlink que je veux dire. J'aime bien toutes ces figurines connectées. Aujourd'hui tout le monde s'en fout. Ah tu penses les Zav? Moi franchement j'ai des doutes. Bon, après, tu me diras, remarque, allez, à l'époque, quand la 3D est arrivée avec la PlayStation, etc., on disait, nous aussi, on disait bien, ouais, la 3D, c'est la révolution, la 2D, c'est has-been, plus personne jouera des jeux 2D, etc. Bon, au final, maintenant, le rétro gaming, il a tellement explosé que, bon, bah, forcément, il s'est passé l'effet inverse. Mais pour les jouets connectés, les figurines avec jeux vidéo intégrés, il y a peut-être quelques figurines qui pourront être recherchées. Mais honnêtement, je pense pas qu'il y aura un engouement aussi prononcé que le retro gaming par exemple. Vous voulez jouer ? Analyse de l'énergie.
Après, je peux me tromper, hein, mais je pense pas qu'il y aura un engouement, à part peut-être pour les amiibo sur certaines figurines précises, quoi. Qui seront pas, qui seraient pas rééditées par Nintendo. Bah, de rien, Choui, pas de soucis. On pourra discuter. Par contre, je vois pas un peu, mais le gameplay est assez vif quand même. Hein. C'est une shoot'em up classique, mais bon, ça va, c'est assez vif. Ah oui, bien sûr, ça n'existait pas avant, mais bon, maintenant, quand tu vois le build monstrueux que ça a fait. Enfin bon, après, moi je te donne mon avis, hein. Après, je peux me tromper, hein. J'ai pas la science infuse, heureusement. Par contre, effectivement, comme tu le disais, Zav, oui, là, les décors, c'est vrai que ça fait un peu penser à. On dirait No Man's Sky, là. C'est un peu la palette de couleurs de No Man's Sky, c'est vrai. Par contre, graphiquement, je trouve pas ça moche, moi. C'est plutôt propre pour de la Switch. Après, faut que j'aille voir des vidéos comparatives graphiquement avec la version. Pour voir avec la version PS4, mais là, ça va, franchement. En plus, le truc qu'il faut savoir, c'est que sur Switch, on doit télécharger quand même un patch de 6Go avant de pouvoir jouer au jeu. Parce que le jeu, en fait, il tient pas sur la cartouche. Alors, je sais pas ce que c'est comme cartouche que Nintendo a prévu pour Ubisoft et son Starlink. C'était peut-être une cartouche de 8Go ou 16Go, j'en sais rien. Non, 8Go plutôt, 16, ça me paraît trop gros. Mais je pense que ouais, ça va être une cartouche de 8Go. Mais en fait, faut télécharger 6Go sur... Il faut télécharger 6Go en fait en patch depuis la cartouche pour pouvoir avoir le jeu complet quoi. Notre capitaine pendant le combat. Enfin bon, merci pour le coup de main. Bon, on va pas les laisser s'en sortir comme ça. On part à leur poursuite. Impossible. Les vermines qui ont enlevé Grant ont aussi volé notre réacteur. On en a un rechange, mais sans carburant, on n'ira nulle part. On peut forcément faire quelque chose. Ouais, peut-être. J'ai pu me brancher à leur vaisseau. Regarde sur ta carte. Ah, n'empêche, il y a quand même un bon fan service de Star Fox, hein, les petits bruitages là, les. Tu peux voir tout ce qui est apporté de son scanner. Pour l'instant, le reste de la planète n'est pas cartographié. Trésor, je détecte un signal extraterrestre près d'ici. Je me demande s'il y a quelqu'un. Ça vaut le coup d'aller voir. Consulte la carte. Il n'y a pas grand chose pour l'instant, mais quand on aura exploré les environs, ça nous sera très utile. Ah oui, donc en fait, on a une map un peu à l'Assassin's Creed, les Far Cry et compagnie. Oh putain, je sens bien qu'en fait on va bien se manger la formule Ubisoft dans la gueule, ouais. Rassure-moi, putain. À tous les coups, ils ont dû foutre l'équivalent de tours de synchronisation à la con pour pouvoir dévoiler la map. Et tous les milliers de collectifs qui est dedans. Ah, Ubisoft, je les vois tellement bien faire ça. Ok, je vais voir ce qui se passe. Prudence, on sait pas ce qui nous attend. Bah, je vais te dire un truc qui s'y trouve, moi. Une réunion de robots super méchants. Oui, on est là que depuis une semaine. Par contre, le doublage de Fox, c'est qui? Il me dit quelque chose, c'est pas normal. Je sais plus qui c'est le doublage de la VF de Fox. On peut pas discuter avec ces trucs. C'est rien qu'une bande de parasites. Ouais, qu'ils viennent nous voir. C'est des bonnes cibles d'entraînement. Par exemple, le robot sur NES. Ah oui, le Rob. Oui, le Rob et Virtual Boy, c'est vrai que c'est recherché aujourd'hui. Exact. Mais bon, après, bon, c'est en même temps, là, on parle de trucs qui ont bidé et qui étaient un peu trop en avance sur leur temps. Maintenant, ils sont plus collectionnés parce que ce sont des objets de collection, quoi. Mais franchement, je pense pas que ça ira plus loin, quoi. Après, bon, c'est surtout parce qu'on parle de Nintendo, quoi, donc c'est pour ça. Je crois qu'on appelle ça un fruit squelette. Appétissant. C'est pas une plante. Un parasite. Burk. Ah, y'a quand même une faune et tout. Ah, par contre, oui. Ça suffit. Je vous laisserai pas m'embêter comme ça. Il n'y a rien de semblable sur Cornéria. Grant et moi avons monté une base de données grâce à nos contacts dans les Pléiades. Analyse cet animal. Il s'y trouve peut-être. Base de données Starlink mise à jour.
scanner plus de spécimens pour compléter le profil ADN. Ah, il y a Ubisoft, ils ont l'air d'avoir foutu beaucoup de ressources à la con à collecter pour des trucs secondaires sans intérêt, quoi. Je sens tellement bien la formule Ubisoft, là, pour l'instant. Le signal provient d'une espèce de bâtiment. Tu crois qu'ils sont sympas ? Restons optimistes. Vas-y, on est là si besoin. Ah, te revoilà. Attendez, vous n'êtes pas Ticket ? Mon assistant n'est jamais là quand on a besoin de lui. Je m'appelle Fox. Je cherche du carburant et je me suis dit que vous pourriez peut-être m'aider. Désolé. La disparition de mon assistant m'a perturbé. Vous n'auriez pas vu quelqu'un de trapu de type végétal par hasard ? Non, mais il y a peut-être un moyen de s'entraider. J'ai envoyé Ticket poser une balise et il l'a mise à côté d'un nid de kobold. Ça commence à bien sentir l'émission aussi, il va falloir faire ramasse telle ressource, va buter tel ennemi, reviens me voir, etc. Ah, ça sent tellement bien la formule Ubisoft. Bon, on va voir ça. D'un certain Wolf. Il a commis pas mal de méfaits chez nous sur Cornaria. C'est l'heure de régler les comptes. Ne vous inquiétez pas, quand on aura quitté cette planète, on le débusquera. Ah, pardon, je suis désolé, la VF, je peux pas. Ah, la VF, elle est pourrie, quoi. Oh, putain, ces doublages nanars clichés là. Ouais, on va pouvoir l'arrêter, on cherche Wolf, oh machin. Oh, putain, j'aime pas du tout. On va foutre en anglais, hein, parce que là, en VF, c'est. Hey, you said it was an imp hive, right? Imps, such nasty little machines. Enemy analysis complete. Structural weakness identified. Of all the region, they irk me the most. I find the best way to handle them is, well, not to handle them. But I hear combustion works. Pretty sure I'm coming up on the hive. Now it's a party. Je sais pas, Choui, attends, on va regarder. Ça m'étonnerait quand même, ça serait étonnant. Non, il y a que des langues européennes. Non, il y a pas le. Il y a pas le japonais. Ça m'aurait étonné quand même. Ouais, en fait, là, notre arbre libre, il peut pas voler, on est limité au sol. Ah oui, non, mais de toute façon, hein, je le savais, hein, que le jeu était pensé à la base pour les... Alors, je veux pas dire forcément les tout petits-petits, tu vois, mais bon, on va dire adolescents, tu vois, qui commencent à passer la dizaine d'années, quoi. Mais effectivement, bon, de toute façon, ça se voit, hein, c'est coloré, c'est édulcoré. Bon, après, moi, j'ai rien contre ça, hein. Mais là, le doublage français, moi, je peux pas, quoi. Après, bon, que le scénario soit... Donc, bon, je m'en fous, hein, là, pour l'instant, je joue plus pour le gameplay que pour... Là, pour l'instant, je joue plus pour le gameplay que pour le scénario même. Je te rassure. Après, j'ai rien contre les trucs, c'est cartoon, etc. Hein. Même moi, j'ai gardé une âme d'enfant, vu que j'aime beaucoup encore les DreamWorks et les Pixar, tu sais, et les Disney. Donc, ce n'est point un souci. Par contre, c'est un peu chiant que les armes elles doivent se recharger à chaque fois. Attends, si je retire le barrage de givre. Après, j'ai un canon laser, mais. Mais ok, mais en fait.
Oh le fail. Je viens de comprendre en fait pourquoi le lance-flamme. Je me disais bien que le lance-flamme il faisait aucun dégât. Mais je suis con en fait. Je l'ai branché du mauvais. Attends, est-ce que je suis vraiment con au point de l'avoir branché du mauvais côté? Attends. Faut regarder. Bah ben oui. Putain, je suis con, j'avais pas fait gaffe. En fait, les armes, tu peux même les foutre à l'envers, à l'arrière. Putain, ça c'est par contre, c'est rigolo ça. C'est pour ça que le lance-flamme il faisait aucun dégât, je l'avais branché derrière comme un con, j'avais même pas fait gaffe. Bon, quand je voyais la turbine, je croyais que c'était vers l'avant qu'il fallait la mettre. C'est pour ça que ça tirait à l'envers en fait, le lance-flamme. Ah oui, ça va mieux. Ça, je me disais que je lui faisais pas beaucoup de dégâts. Ouais, voilà, après les Pixar, ça a été. C'est grand public quoi, il y a une seconde relecture dans le scénario qui fait que les adultes peuvent comprendre certains thèmes difficiles que les enfants ne peuvent pas forcément comprendre. Et c'est ça que j'adore dans les... dans les Pixar. T'as vu Mister Incroyable? Non, je l'ai pas vu, Jafar. Le Star Fox sur Wii U, zéro, non, je l'ai pas du tout aimé. Hein. Le gameplay, pourtant, il y avait l'idée, il y avait du potentiel de faire, tu sais, du... du gameplay, c'est asymétrique avec le gamepad où tu vois le cockpit et après tu vois l'extérieur dans la télé. Mais au bout d'un moment, de switcher entre les deux, c'était trop chiant. En plus, le jeu était moche, les missions étaient pas terribles. Il y avait les missions en Giro Wing, j'en pouvais plus tellement c'était de la merde. Pourtant, c'est con, le jeu pas forcément mauvais non plus. Il avait quand même des bons moments, tu vois. Genre la mission du début, forcément, bon, qui est du fanservice hein, à Star Fox Super NES et 64. Il y avait 2-3 autres missions de pure shoot'em up qui étaient sympas. Mais en globalité, Star Fox Zero, c'est quand même putain de gâchis quoi. Enfin, il est vraiment pas terrible. Moi je l'ai fini, j'en retiens rien quoi. Et toi tu l'avais aimé, tu l'avais fait Zav? Interesting. Now that we have helped this observatory, our visibility on the planet has increased. There's a Legion extractor. Looks like that's our target. Ah, c'est ce que je craignais, ouais. Il y a bien du coup un système de tour Ubisoft mais qui a été foutu dans un autre style en fait. Since the reawakening, they defend themselves most efficiently. But you all seem desperate. Competent enough. Just bring the core to me and we'll be done. Big storm up ahead. Ah yes, the extractor should be just inside. Non mais par contre, pour un jeu, on va dire entre guillemets pour les gamins avec des bases de figurines, etc. Je trouve que l'ensemble est relativement solide hein, quand même pour les gamins. Même pour un adulte, hein, y a moyen de s'amuser. Enfin, bon, pour l'instant, je trouve le jeu cool, hein, ça s'est joué. C'est pas exceptionnel, hein. Mais pour l'instant, ça s'est joué, c'est sympa. En plus, même graphiquement, pour la version Switch, franchement, bon, après, vous pourrez pas le voir sur ma... Vous pourrez pas le voir forcément sur ma télé, hein. Parce que bon, enfin, sur mon stream, je veux dire. Parce que malheureusement, j'ai une collection de merde. Donc, je suis mythique en 480p. Après, je sais pas du tout à quoi ressemble la version PS4. Mais là, franchement, pour la Switch, c'est propre. C'est même nettement plus beau que Star Fox Zero, hein, si on part par là. Le gameplay répond bien, est facile à prendre en main, il y a un bon feeling. Après c'est surtout au niveau de la recette ou les missions qui ont l'air assez répétitives quoi. Bon après voilà, c'est pas non plus, faut pas non plus faire un truc trop compliqué quoi. Et puis de toute façon bon, on ressent clairement la patte Ubisoft hein, dans ce jeu, hein, ça se voit. Hein. C'est pas forcément un gage de qualité quand je dis ça. Mais je suis assez agréablement surpris, hein. Franchement au début je m'attends vraiment de la pure merde. Après bon là je suis vraiment pour tous les débuts, donc ça va être un peu dur de... Ça va être un petit peu dur de faire un avis déjà, mais il y a l'air d'avoir un petit peu de challenge. Le combat de boss, c'est pas de la gnognotte, quoi, dire. Pour un gamin, je veux dire, il pourrait avoir du mal, quoi. Ah, il faut détruire les noyaux encore. Hop. Moi j'ai beaucoup aimé parce que j'ai trouvé qu'il était vraiment dans la veine des anciens, aussi que des...
fonctionnalité en plus, gameplay asymétrique justement. D'accord, ça. Après, bon, je t'avoue, le jeu, je l'avais fini à l'arrache, hein. J'avais pas pris le temps de creuser vraiment le gameplay, le scoring, etc. Hein. Mais je me souviens que Star Fox Zero, quand je l'ai fini, je m'étais dit, ah ouais, putain, la douille, quoi. Franchement, j'avais été dégoûté de l'avoir acheté Day One, tu vois. Mais bon, le jeu, je l'ai fini, après, je l'ai vendu, mais après, bon, j'ai pu le récupérer parce que j'ai ma Wii U qui est hackée, donc du coup, je l'ai remis dessus. Mais il faudra que j'y rejoue quand même pour lui relaisser une chance, voilà. C'est vrai que j'étais peut-être un petit peu injuste avec le jeu, mais bon. On va pas se mentir, on sent quand même que le Star Fox Zero sur Wii U, il sentait vraiment le jeu de commande au dernier moment de la part de Nintendo pour Platinum Games. Pour dire, ouais, bon allez, on va faire un Star Fox pour que les fans de Star Fox nous fassent plus chier, puis voilà. Mais bon, je veux dire que quand t'as joué à Star Fox 64, qui était une tuerie monumentale, tu passes à ça, putain, ça pique, quoi. C'est un peu ça le problème, en fait. Et surtout que bon, en plus, faudrait un peu d'originalité, quoi, parce que bon... nous faire tout le temps le coup là de Andros ou que Fox va vouloir venger son père, va vouloir affronter Andros, vaincre Wolf, etc. Bon enfin ça va, hein. C'est pas comme si on connaissait ça depuis l'épisode Super NES quoi. Enfin, 64 plutôt, parce que vu que Wolf n'existait pas sur le Super NES. Mais tout ça pour dire que le 64 était déjà une relecture de l'histoire de la version Super NES, mais le 0 c'est encore un reboot de l'histoire de la version Super NES et de la version 64 quoi. Donc bon les gars, faut passer à autre chose ou non. Ce dont avait fait Star Fox Adventures. Et Star Fox Assault aussi à leur manière, on va dire. Ce jeu m'a vraiment replongé dans le souvenir de Lilith Wars que j'avais acheté à la sortie. D'accord, après Star Fox 64, je l'ai pas connu à la sortie même, mais j'ai dû le connaître un an après sa sortie, je l'avais surkiffé. Je passais mon temps, des fois, à refaire du scoring sur le jeu, enfin... Il était monumental, le Star Fox 64, je l'avais adoré. La mise en scène, l'intro, déjà, était énorme, après le gameplay, il était excellent, c'était un putain de moral shooter, une putain d'ambiance, et plusieurs routes et plusieurs circuits disponibles. Maintenant, bon, j'ai peur qu'il m'a vieilli, hein, surtout graphiquement, mais bon, il était excellent. Après, bon, il y a eu le remake sur 3DS, donc pour relever le niveau. Ouais, Ubisoft aussi, ça commence à me gaver. Jafar. On va jouer visiblement que t'es pas le seul. Mais là, si on prend voilà, le Starlink là, pour l'instant pour ce qu'il est, un jeu sans prétention avec un gameplay bon, Space Opera Shoot'em Up relativement réussi, là pour l'instant je trouve qu'il fait le taf. Voilà, c'est pas exceptionnel, hein, de toute façon je m'attendais pas à grand chose non plus. Hein. Mais ça fait le taf. Après, il faudra voir jusqu'où le jeu va aller, hein, et surtout s'il va pas trop répétitif au bout d'un moment, parce que sinon. Ce qui rejoindra le fameux syndrome Ubisoft dont je parle. Mais après voilà, je pense que Starlink pour apprécier le jeu, c'est un jeu à faire à 20 balles quoi, pas plus quoi. Pour 20 balles, tu peux passer un bon moment quoi. Surtout pour l'univers Star Fox quoi, qui est intégré dedans. Après avoir jusqu'où l'univers Star Fox est intégré dans Starlink. Mais pour l'instant, j'ai l'impression qu'ils ont réussi à faire un bon compromis avec un nouvel élément scénaristique pour l'intégrer dans Starlink quoi. Parce que mine de rien en fait, mettre Star Fox dans ce jeu c'est pas si con que ça. Parce que Star Fox à la base c'est une équipe de mercenaires qui voyage à travers la galaxie pour pouvoir résoudre diverses missions. En plus du système Lilith et dans Corneria. Et c'est un peu comme les gardiens de la galaxie quoi je veux dire. Hein. Ils sont à peu près comme ça hein, l'équipe Star Fox. Hein. Ils sont pas forcément limités qu'au système Lilith. Hein. C'est pour ça qu'au final là dans le jeu qui se passe dans le système Atlas, y mettre Star Fox c'est pas une mauvaise idée en soi. Vu que c'est une équipe de mercenaires qui voyage à travers les galaxies pour arrêter... Pour sauver les autres galaxies ou arrêter leur Némésis avec l'équipe Wolf. Donc, mine de rien, l'idée n'est pas conne en fait. Interstellar. Nova is such a rarity, you could make quite a fortune with your skills. I don't get it. Can't you just make more Nova? If only we could. Sadly, while there is plenty of Electrum to be found, no one knows how to refine it. So the only Nova left is inside those machines. And well, we're not all as brave as you are. Wow. I wonder if St. Grant knows about this. What was that? Our captain, St. Grant. He learned how to create Nova. That's how we got here. Your captain can make Nova? My stars! Why didn't you say so? Knowledge of that kind could upset the entire system. And you say he's missing? That's why we're here. I see. Fascinating.
Ah, donc en fait pour ramasser les ressources, c'est ce petit milieu qui se met en place à chaque fois avec le grappin. C'est souvent juste avec les joueurs. Bibi. Ça dépend desquels. Hop. Ouais, c'est vrai, la comparaison avec les gardiens de la galaxie est bonne. Ah, merci, Zav. Ah non, je t'ai pas... Ah oui, merde, désolé, j'ai répondu un petit peu en retard, j'avais pas vu. Bon, ça va, oui, pas de beau, mon pote. Non, mais mine de rien, tu vois, Zav, bon, après, il faudra que tu me dises, hein, si tu pourras regarder une vidéo comparative. Ben là, si on prend en compte la Switch, franchement, je suis vraiment surpris, hein, le jeu est plutôt beau pour de la Switch. Hein. Bon, après, il y a beaucoup d'étendues qui sont assez vides, hein, mais on va se mentir, mais les textures sont pas dégueulasses, les effets d'ombre, ça reste propre, hein, pour de la Switch. Franchement, je suis vraiment surpris, tu vois, je m'attendais vraiment à largement plus moche. Hein. Là, à comparer avec Star Fox Zero, Starlink, il est largement plus haut, hein, si on veut comparer, enfin, uniquement pour la composante Star Fox dedans, je veux dire. Bon, au final, au bout d'un moment, on n'y fait plus gaffe, hein, qu'on a une manette un peu bizarre avec la figurine de l'Arwing qui est plantée dessus. Même si c'est chelou au début. Yep, ça va, oui, merci. Non, j'ai pas investi. J'ai emprunté. Comme toi avec le verre. Non, parce qu'en fait, bon, je pense, l'anecdote rapide, hein, je vais pas raconter ma vie. Mais mon frère, il voulait acheter le Starlink justement à cause de la composante Star Fox. Sauf qu'en fait, il l'a fait livrer chez moi. Il l'a fait livrer chez moi parce que le truc, il serait arrivé en retard chez lui. Et moi, je le savais pas. Donc, du coup, en fait, mon frère, il me dit, tiens, tu pourrais me chercher Starlink. Ah, bah, oui, si tu veux. Et puis après, il m'a dit, bon, bah, écoute, tu vas arriver. Hein. Bon, voilà, putain, je me suis pas gêné. Hein. Je lui ai dit, bon, vas-y, on va faire une vidéo découverte hein, pour ça. Ouais, en fait, il y a pas mal d'explorations secondaires avant de faire les missions principales où tu peux aller défoncer des ennemis, ramasser d'autres ressources. Après, j'ai pas encore totalement vu tout le gameplay d'ailleurs, comment, quelles ressources il faut pour améliorer les armes de l'Arwing, etc. Quoi. Là, voir le vaisseau. Parce qu'après, il y a d'autres vaisseaux, mais bon, là, pour l'instant, je vais utiliser voir les armes. Nombre de nouveaux modes d'armes. Modifier. Ah bah ça y est, je peux les modifier les armes. Surcharge la puissance d'attaque et la cadence de tir. D'accord, ok, on peut équiper des mods façon Mass Effect en fait pour améliorer les armes. Ah bah tu connais le jargon, Ruby, hein. Tout vient à point à qui c'est d'attendre. Hein. Moi j'ai strictement rien demandé hein, pour Starlink. Hein. Il est venu à moi, bon bah écoute, hein, je dis oui, hein. Je dis pas non. Hein. Après, ouais, tain, ça se voit que les mecs ils ont rentabilisé quand même sur les armes. Là, il y a beaucoup de trucs à acheter, n'empêche. Hein. Obtiens cette arme pour l'ajouter à ton arsenal. Aïe, t'es gentil, mais bon, l'arme faut l'acheter quoi. Voir les ailes. Ok, voir les ailes droites. Compétences du pilote. Ah oui, il y a un arbre de compétences aussi. Façon RPG. Ok. Oh, les vaisseaux sur la manette, c'est pas très ergonomique, mais bon, faut jouer le jeu. Yep, c'est ça, Zav, ouais. Carte stellaire. Ouais, en fait, bon, c'est vraiment de l'open world classique, quoi. Il y a plein de trucs à nettoyer. Il y a plein de trucs à nettoyer pour avoir des ressources et des trucs, etc. Bon, enfin, ouais, c'est... Au bout d'un moment, je pense que ça peut... La répétitivité peut vite se faire sentir. Mais bon, après, l'avantage de Starlink, c'est que je crois qu'on peut jouer en mode portable. Donc là, du coup, ça, c'est le jeu, tu vois, tu te fais chier avant de dormir, je sais pas, tu te lances une petite... tu te lances le Starlink, tu te fais une mission secondaire par-ci, par-là, tu vois, ça, c'est le genre de jeu encore qui s'y prête plutôt bien à la portabilité, je pense. Livrer un objet. Okay. Here's that core. Outstanding. Extracting the Nova should take just a moment. I'll need to arrange for a replacement. Huh? Well, you have a captain to find, don't you? A captain that can make Nova no less. Your crew can use a local expert.
and I'm not too shabby in a fight either. This isn't my crew, so you gotta ask them. Maybe they'd be open to it. I don't know. Then it sounds like a sabbatical is in order. I will meet you there. Just have to find that darn assistant. Hey guys, got that Nova for you. Heading back now. Nice work. See you soon. Man! You guys have the best snacks! Slayer, stop stuffing your face with that junk or you'll get all sleepy. We gotta be wide awake if we're gonna catch Wolf. Ce jeu que je regrette vraiment, c'est que la version PS4 se passe en Fox, et c'est vraiment dommage. Le jeu perd du cachet Nintendo. Ah oui, bah là c'est sûr, hein. De toute façon, c'est clair que Fox, il allait pas trop pouvoir être intégré sur PS4, ou sinon il aurait fallu faire un gros partenariat avec Sony, là, qui aurait coûté des milliers pour eux, là. Enfin, pour Sony, je veux dire. Ça aurait pas été trop possible, à mon avis. Tiens, je vais aller à la destination que j'ai. Non, mais franchement, mine de rien, le jeu, même pour de la Switch, il est propre, hein, graphiquement, je suis vraiment épaté. Hein. Même l'aliasing, il y en a pas tant que ça, quoi. Il y en a un tout petit peu là sur les sommets là-bas, mais je suis étonné, hein. Franchement, le jeu, hein, il est 1080p natif, le framerate est stable, bon, c'est du 30 fps après, hein, je sais pas s'il tourne à 30 fps sur PS4, non, mais je suis assez étonné, hein, c'est relativement propre, hein, pour la Switch. Franchement, je m'attendais à largement pire, les graphismes. This region has some fascinating warden artifacts. With your collection of weapons, you must have no trouble obtaining them. Mais c'est vrai qu'il y a un côté No Man's Sky avec cette exploration de grandes zones étendues là, avec la ville qu'il y a, les animaux et tout, c'est... Non, enfin mine de rien, c'est pas si mal pensé que ça, quoi. Tiens, on peut analyser cette espèce d'alien, là, on dirait un grand cerf, là. Même la maniabilité niveau feeling et tout, c'est rapide quoi, enfin, y a pas de problème. C'est sympa à jouer. Oh, attends, c'est où faut que j'aille déjà? Ouais, parce qu'en fait, il y a une composante RPG en fait. Là, je suis niveau combien hein? Merci, je suis niveau combien? Fox il est niveau 1, mais le vaisseau il est niveau combien? Ouais bah oui c'est ça Zav. Bah d'ailleurs Zav, toi t'as le jeu là, quand tu l'as démarré, quand t'as démarré le Starlink là sur PS4, on commençait même dans cette piste du désert là, mais avec, dans cette planète désertique à la Tatooine, mais avec donc l'un des personnages là de l'univers Starlink, ou c'était un autre truc différent par rapport à, pour intégrer Fox ou... c'est un jeu créé par Ubisoft, Wooly. Mais qui fonctionne avec des figurines. Ce qui est paradoxal, hein, c'est parce que les mecs qui se lancent dans le marché du jeu vidéo de figurines, mais un peu trop tard, hein, quand tous les concurrents sont morts, bon, je sais pas, faut se poser des questions. Malheureusement, bon, c'était à prévoir pour eux, hein, mais bon, le jeu il a bidé de ouf, hein, c'est très mal vendu. À tel point que maintenant qu'on le trouve à 30 balles plus partout maintenant. Puis si ça se trouve, peut-être en solde là en janvier, là, et on va devoir même le trouver à 10 balles partout. Mais par contre, l'idée en fait d'avoir une manette sur laquelle tu peux planter. Des figurines de vaisseaux et de personnages dedans, c'est bien pensé. Même si bon, après le problème c'est que ça rajoute un poids supplémentaire à la manette, hein, tu ressens bien quand même. Mais apparemment j'ai cru comprendre en cherchant des infos sur le net qu'on pouvait jouer avec le pad pro contrôleur, mais bon en fait il faut essayer de faire passer le jeu en mode dématérialisé ou un truc dans le genre, j'ai pu comprendre pour que ça marche. Mais c'est vrai que ça serait pas de refus quoi. Oh merde. Ok. C'était une bombe de glace. Vaut mieux la détonner à distance. Et du coup, comment ça marche les objectifs Merde, je suis où moi sur la carte là. Centré sur le joueur. Ok, je suis là.
Normalement, il y a une histoire, vu qu'il y a une mission principale qui se met en place, Wubi, avec des missions secondaires qu'on peut faire. Bon, là, c'est de la patte Ubisoft, quoi. Donc, c'est des missions secondaires de farming, hein, buter telle personne, aller chercher telle ressource, etc. Mais après, il y aura d'autres missions, hein. Alors après, est-ce que c'est du sandbox dans le sens où on va avoir un terrain de jeu à exploiter comme Zelda Breath of the Wild? Ça m'étonnerait. Je pense que c'est des décors, je pense que ce sont des planètes qu'on explore un peu comme Destiny, voilà, j'ai cherché le nom. Hein. Je pense que c'est un peu comme Destiny, t'explores la planète, tu peux y retourner à mon avis quand tu veux. Enfin, là, c'est des suppositions, hein, j'en sais rien, parce qu'effectivement, j'ai pas... je viens à peine de commencer le jeu, donc je pourrais pas dire. Mais je pense que ça vaut quoi sur ce modèle-là, quoi. Ah, et en fait. Ah, merde. An impact crater caused by a device of unknown origin. I hypothesize that it was something the Wardens used, which ended up here by. Ok, en fait, là, je me suis frotté à des ennemis qui étaient un peu trop puissants pour moi, là. Ah, tu voulais dire ça, Obi? D'accord, ouais, bah on va dire plutôt, ouais, Minecraft, je dirais, ouais. Avec des ressources à collecter, des petites missions secondaires à faire par-ci, par-là. Mais sauf que t'as pas une liberté totale, hein, parce que t'es guidé un minimum par une histoire, évidemment. C'est pas, on te lâche pas totalement dans la nature, ou même comme Breath of the Wild. C'est tout le temps scénarisé, quoi. Mais le problème, là, c'est que je suis niveau combien? Je vois même pas le niveau où je suis. Enfin, il y a le niveau du pilote, mais est-ce aussi il y a le niveau du vaisseau? Parce que le niveau de l'armée, je le vois pas, en fait. On m'a dit qu'il y a une option pour retirer les vaisseaux des pads et jouer sans. Ah ouais, Zab? Attends. Bah, je vais regarder dans les options, mais moi, j'ai rien de spécial, quoi. Gameplay, commande... Sélectionner la mission, lâcher, demander accepter mission, foncer comme le maître au hier. B, retour. Difficulté normale, caméra toujours inversée, toujours mettre en pause, vibration, tir allié. Redressement automatique dans l'espace. Visée assistée. Ah, je trouvais que c'était pas assez sensible justement. Attends, je vais augmenter la sensibilité. Audio, éléments visuels, ce titre. Non, on dirait qu'il n'y a rien en fait. En tout cas pour l'instant. Bah attends, genre, là, si je branche le Pro Controller, là. Là, si je lance le Pro Controller, qu'est-ce que va me dire le... Qu'est-ce que va me dire le jeu? Attendez, je fais juste un test. Non. Jouer en mode numérique. Ah bah tiens. Jouer en mode numérique. Ouais, lier l'Arwing. Ah bah ça y est, si on peut. Attends. Ah oui, non merde, en fait là j'active le mode coop. Ah, il y a un mode coop en speed screen, c'est sympa ça. Attends, L, passer au joueur 1. Quitter la coop. Attends. Putain. Manette. Changer le style. Terminé. Ah bah ça y est, c'est bon. Jouer en mode numérique. Lier le personnage. Hop. Lier l'Arwing. Lier le lance-flamme. Lier le truc là. Ah voilà, si. Ah c'est bon, là je peux jouer avec le pad pro là. Ah putain, oui, c'est la non plus agréable, là, y a pas photo. Hein. Si, si, c'est bon en fait, Zab, on peut en effet. Alors je sais pas trop comment j'ai fait, en fait j'ai incité la manette pro à passer en joueur 1. Après, il m'a demandé de passer en mode numérique. Et puis, ouais, là, effectivement, ça marche. Hein.
Attends, donc là du coup si je retire là les... Ouais bah d'ailleurs pour confirmation, la Wing qui avait une petite loupiote bleue dans le réacteur, elle s'est éteinte pour dire que la figurine était désactivée. Donc attends, là je retire juste l'équipement. Ouais non effectivement, là je suis en train de retirer la Wing de la manette. Attends. Merde, parce que j'ai pas envie de le... Ah et puis le problème en plus c'est que ça tu peux le massacrer en plus hein, si tu fais pas gaffe. Je suis en train de faire de la merde là. J'essaye de retirer la Wing là, mais putain. Putain, je crois que je l'ai un petit peu serré en fait. Hop, voilà. Ouais, parce qu'en plus, ces figurines, elles sont. Enfin, le plastique il est assez cheap quoi. Donc, bon, du coup, j'aurais pas envie de les bousiller quoi. Hop, voilà, tac. Et là, du coup, donc là, je peux enlever là ce grip là dégueulasse là. Qui a été créé pour le jeu là. Hop. Attendez, je rebranche les Joy-Con sur la tablette là. Enfin sur la Switch LED, je veux dire. Hop, tac. Hop, tac. Ouais, donc en fait, ouais, les développeurs, en fait, Ubisoft, ils ont pensé à tout. Alors je sais pas en fait si le mode numérique se débloque quand tu scannes les figurines d'abord, ou si ça se débloque de suite hein, quand tu lances le jeu. Mais en tout cas, là, ça marche. Hop, bon, je rangerai tout ça tout à l'heure, on va pas perdre de temps là. Hop, tac. Hop, tac. Ah ouais, voilà, franchement, c'est largement plus agréable à jouer avec la. C'est largement plus agréable à jouer que le pad pro contrôleur, putain, je vise mieux aussi. Enfin, je vise mieux. J'en sais rien, j'ai pas testé, mais je veux dire, c'est tant plus jouable quoi. Ah, on fait un tennis, d'accord. Si tu veux mettre un autre vaisseau, t'es obligé... Ah oui, par contre, là, en effet, oui, là, si tu veux mettre un autre vaisseau, d'autres armes, etc., là, tu seras obligé de passer par... tu seras obligé de ressortir le grip et après de planter les figurines, les nouvelles figurines, effectivement, sur le grip. Bon, après, de toute façon, je vais pas acheter d'autres figurines, hein. Clairement, je vais juste me limiter... Au Fox là, au lance-glace et compagnie, c'est bon, hein, je vais pas commencer à faire la collection de ça, surtout qu'en plus à la base c'est même pas à moi, donc... A priori on peut y jouer pendant 7 jours à partir du moment où on... Comment ça, on peut y jouer pendant 7 jours à partir du moment où on est connecté à... Il y a une limite dans le temps, hein. Enfin, en tout cas, non, je pense que c'est dès que t'as connecté le jouet, c'est bon, hein, le truc il est... Il devrait rester définitivement quoi, enfin je sais pas, ça serait bizarre sinon. Ça serait bizarre je pense sinon. Attends, c'est quoi ça? On peut acheter des versions digitales, d'accord. C'est dans l'onglet collection, non. Non, ça c'est l'univers général du jeu. C'est où qu'on le voit, si on peut... Attends, il y a un... Attends, je vais regarder vite fait. Est-ce qu'il y a un... On peut acheter des trucs sur l'eShop du... comment on fait pour que c'est l'eShop, là ? De toute façon, Nintendo eShop. On va voir s'il y a des DLC disponibles. Je regarde juste par curiosité. S'il y a des DLC ou les figurines ou le jeu... Enfin, à part le jeu des battes qu'on peut acheter lui-même, évidemment. Article non disponible à la vente. Ah, d'accord. Ah oui, voilà. D'accord. Aussi, en fait, ils ont sorti effectivement. D'accord. Donc, du coup, en fait, toi, t'avais raison, Zub. Ils ont du coup sorti effectivement les figurines à part, quoi. Les packs de pilotes avec leurs vaisseaux, les armes et compagnie, quoi. D'accord. Pour pouvoir les acheter, en fait, t'achètes la version digitale et après tu peux y jouer définitivement, quoi. Édition de luxe. Y'a quoi dans l'édition de luxe? Putain, elle coûtait 50 balles. Putain. Inclus dans ce lot. Ah, et bon, en fait, t'as absolument tous les packs de pilotes, quoi.
Ouais, d'accord, ok. Ah bah le jeu, on a le poids là, il fait 13 gigas. D'accord, ouais, bon, ça m'étonne pas. Donc du coup, Nintendo, en fait, Ubisoft, ils ont utilisé une cartouche de 8 gigas pour Starlink, et après, un patch de 6 gigas téléchargé pour le jeu. Putain, c'est abusé quand même. Mais bon, les coûts de production en même temps, ça doit être super élevé, je pense. Ok, mort. À 10 balles, le Fox, je le prendrai. Ça peut être rigolo. Non, mais franchement, tu vois, Wubi, hein, sans que je m'attendais à quelque chose de ouf. Le jeu, pour l'instant, est pas mal, hein, franchement. Ah non, ok, le tout blanc veut dire, en fait, c'est la carcasse, c'est-à-dire que je les ai tués. Là, j'explore un petit peu là pour voir ce qu'il y a quoi. Non, en tout cas, le gameplay il est bon, hein, le déplacement, le maniement du vaisseau est nickel. C'est rapide, c'est nerveux et pas de problème. Hein. Bon, après, là on n'est pas sur l'exacte maniabilité d'un Star Fox classique, hein, ça c'est clair, mais en tout cas, c'est super maniable. Hein. Y a pas de problème. Non, et puis même graphiquement, bon, si on enlève voilà, la direction artistique hein, qui reste assez générique, qui ressemble même d'ailleurs à No Man's Sky, hein, comme Zab l'avait dit, franchement, je trouve que graphiquement, ça fait le café. C'est... Je veux dire, pour un jeu basé à base de figurines, on aurait pu s'attendre à du truc Eco Plus. On pourrait s'attendre à un truc vraiment Eco Plus merdique, mais en fait, non, c'est pas le cas. Hein. Les Skylanders, les premiers, ils étaient putain de dégueulasses, ces jeux. Les Skylanders, il a fallu attendre le troisième jeu pour que les graphismes deviennent un minimum potable, voire même propre. Mais là, franchement, Starlink, non, hein, il est... Même pour de la Switch, il est propre. Ce serait... Peut-être même que ce serait l'un des jeux les plus impressionnants graphiquement que j'ai vu pour une Switch. Là, je parle pour la version Switch, hein, version PS4 acceptée. Eh, hey, salut Yellow, ça va? Ah bah tiens, comme on en parlait. Effectivement. Non, franchement, il y a des textures qui sont propres, les effets de lumière sont pas trop mal. La modélisation des vaisseaux, animation, ça va quoi. Non, franchement, c'est clair, moi je m'attendais à pire, franchement. Merde. Non, mais je m'attendais vraiment à un jeu, tu vois, complètement. Bon, je vais pas dire pourri, tu vois, mais un truc où il y aurait pas du tout de gameplay, où il y aurait un truc trop assisté, tu vois. Un peu comme Skylanders au final, parce que là, même pour un gamin, il y a quand même beaucoup de commandes à assimiler quand même dans Starlink. Hein. Entre le dash, la visée, le déplacement, la compréhension des objectifs, tu mets pas ça à un gamin de 8 ans, hein, je pense pas qu'il comprendrait tout. Enfin, je prends pas le gamin pour un con, mais je veux dire, à 8 ans, à mon avis, ça va être délicat de jouer un jeu pareil. Hein. Enfin, surtout qu'en plus, il y a une composante RPG avec prise de niveau, personnalisation des armes, des modules, etc. Enfin, laisse tomber quoi. Et au fait, Guillo, bonne année aussi. J'y pense, meilleur vœu. Par contre, en fait, je crois que je suis dans une zone où, en fait, j'ai pas le level pour les affronter. Là. Je pense que je suis trop, je suis encore trop bas. Là. Ah, et bah, de toute façon, en plus, le jeu me le dit lui-même. C'est ça, je reste là. Le jeu me le dit lui-même. J'ai une côte tête de mort, là, j'ai un niveau de merde. Je peux pas les affronter encore. Mais c'est ça qui est un peu chiant, par contre, c'est que c'est mal indiqué, quand même, le niveau. Ah, mais non, mais si, mais c'est marqué. Si, d'accord, ok, c'est le numéro, j'avais pas vu, ok, niveau 4. Ok, non, en fait, je suis con, c'est moi, en fait, qui commence à explorer des zones dans lesquelles je peux pas aller, parce qu'en fait, j'ai pas encore le level, quoi, je suis encore level 1. Ouais. On va voir ce qu'il y a, là. Après, bon, voilà, au niveau du jeu lui-même, on n'échappe pas à la formule Ubisoft, hein, à mon avis, hein, mission répétitive, des collectibles en pagaille partout, des tours de synchronisation, de ce côté-là, Ubisoft, ils sont fidèles eux-mêmes. Mais bon, comme c'est dans un jeu de vaisseau, on va dire que ça passe. Au moins, déjà, on peut explorer, se balader, il y a des bonnes idées, quoi. Et après, on va continuer la mission principale, parce que là, en fait, j'arrête pas d'explorer partout, j'ai envie de voir un peu la suite. Merde. Puis
Et sans compter aussi que c'était assez audacieux en fait d'équiper dans un jeu comme ça, on va dire entre guillemets générique, de faire un crossover avec Star Fox quoi, ça c'est pas mal mine de rien. Ouais j'ai vu que tu le streamais, ça m'intriguait de voir ça. D'accord oui, bah comme ça au moins du coup, ça te permet de te donner une idée sur le jeu quoi. Non mais franchement tu vois, j'en attendais absolument rien, de toute façon je comptais même pas l'acheter, hein, c'est mon frère qui me l'a prêté, donc du coup... Mais pour l'instant, plutôt agréable surprise quoi, tu vois, je m'attendais pas à un tel truc en fait. Franchement je m'attendais vraiment à un espèce de Star Wars Rogue Leader du pauvre, tu vois, un truc vraiment pourri quoi, mais en fait non, c'est un minimum travaillé. C'est un minimum travaillé. Ah il y a un cycle jour-nuit aussi, sympa ça par contre. Ça par contre c'est sympa. Je l'achèterai sûrement pendant les soldes. Tu le prendras sur Switch ou PS4, Vielo. Parce que je sais pas si toi t'es affilié à l'univers Star Fox, enfin si t'as déjà joué à un Star Fox ou si t'aimes bien le personnage et l'univers, je sais pas. Et puis encore, là, dites-vous que là mon stream, il fait pas honneur, entre guillemets, à la réalisation, hein, parce que comme j'ai une collection de merde, forcément, là, c'est du 480p pourri, là. Mais je vous jure, là, le jeu, il tourne en 1080p natif, il y a un petit peu d'aliasing, mais franchement très peu, et en globalité, ouais, non, les graphismes purs pour la Switch, c'est propre, quoi. C'est ouf, allez. Bon, allez, tant pis, on va continuer la mission principale, je vais aller... Je vais retourner au vaisseau, là, de l'équipe Starlink, là. En tout cas, jouer avec le pad pro contrôleur, ça fait du bien. Parce que putain, j'en avais ras-le-cul d'avoir la manette là. J'avais ras-le-cul d'avoir la manette là avec les vaisseaux collés dessus. Là. Elle commence à peser lourd la manette là. Ouais, c'est clair, c'est pas évident pour l'enfant. Ouais, en effet, ça va, je pense aussi. Ouais. Et merci Vielo. Eh, salut Koda, ça va? Quoi de beau l'ami? Ah oui, c'est vrai que quand vous utilisez le même compte, toi et ta femme, c'est vrai qu'on peut pas savoir qui elle a. Hop, tac. Mais non, mais il y a même des jolis effets de lumière qui font vraiment très penser à No Man's Sky, quoi. C'est un peu fou. Là, genre, cette saturation là d'HDR, enfin, comme du HDR, quoi, avec les lumières beaucoup plus vives, ça donne un cachet, c'est joli, quoi. Mais tu l'avais acheté toi Koda d'ailleurs je crois le Starlink, non tu l'avais pas acheté récemment il me semble, je crois que je l'avais vu passer sur une de tes photos là. Une photo de tes trouvailles là. Tu l'as commencé là? Je sais plus si tu l'as pris sur Switch ou PS4. Tu l'avais encore essayé oui, d'accord. Bah No Man's Sky moi j'avais joué chez un pote, bon après c'était quand le jeu était sorti donc du coup c'était assez balbutiement et quand le jeu s'était pris un tollé monumental parce qu'évidemment il y a eu un gros downgrade et tout ce qui avait été promis dans le jeu bah ça avait pas été vraiment respecté. Là pour le coup ça commence à arriver apparemment là vu que là les développeurs ils ont sorti énormément de mises à jour qui rajoutent du contenu, bon après je veux pas te dire ce que ça rajoute précisément. Mais apparemment ça y est ça commence enfin à devenir un peu plus, beaucoup plus sympa à jouer quoi. J'ai acheté le pack PS4, les vaisseaux, et j'aime bien, il est terrible je trouve, j'aime beaucoup. D'accord, ah bah autant mieux alors. Bon après j'imagine que tu l'as plus loin que moi dans le jeu, parce que là moi je viens de démarrer, je suis qu'au début. Bon allez on va aller continuer la mission principale, là je vais aller chercher le vaisseau, parce que là j'arrête pas de traîner depuis longtemps, là c'est bon. J'aurais dû voir la suite, voir s'il y a d'autres décors, parce que Tatooine hein, c'est sympa, mais bon faut changer de décor là. Comment elle s'appelait la planète désertique là, où, dans Star Wars épisode 7 là, où J.J. Abrams d'ailleurs il s'était pas trop foulé hein. Merde, je sais plus comment elle s'appelle. Elle portait le nom d'un DLC aussi de Star Wars Battlefront 1, là, de la version Electronic Arts. Putain, comment elle s'appelle? Enfin, c'était un clone de Tatooine, hein. Bon, bref, je sais plus. Ah, il y a un système de visée. Alors, appuyez sur Start, système de base. Fais le plein de l'Equinox pour restaurer les moteurs de vol et retourner dans l'espace. Ah bah parfait.
Hop. Tournoyeur réparé. Système de base. Hop, putain, qu'est-ce que vous disiez? Oui, Coda, je pense qu'il faut pas trop lire les critiques. Ah bah, de toute façon, quand tu joues à un jeu vidéo... faut toujours se faire son propre avis en jouant soi-même au jeu, hein. Moi, personnellement, c'est ce que je fais, hein. Je m'arrête pas aux critiques, hein. Je me fais mon propre avis. Même God of War 4, que j'arrête pas de dire que c'est surcoté, etc., je vais quand même y jouer pour me faire mon propre avis, voir si j'avais raison ou si vraiment je me suis trompé et je pourrais me dire, ok, j'aurais mieux fait de fermer ma gueule. Mais bon, God of War 4, c'est pas une priorité, hein. Je le prendrai à 15 balles, pas plus. Mais faut toujours se faire son avis sur les jeux, hein, et surtout pas écouter les testeurs en carton là, qui de nos jours, ils savent même plus tester les jeux correctement. Enfin, moi je suis désolé de le dire, mais la presse jeux vidéo actuellement, faut même plus s'y fier. Hein. Clairement pas. Quand on s'y penche, c'est vraiment surprenant, j'ai découvert ça avec mes fils et j'étais surpris. D'accord, ça... Non mais c'est vrai quoi, pour le coup, même moi là, hein, même moi pour l'instant qui suis sans enfant, je trouve le jeu vraiment sympa, même pour un adulte à jouer, hein, pour l'instant. On peut dire ce qu'on veut, on peut ne pas aimer, hein, mais on peut pas dire que c'est de la daube, hein, c'est clairement pas le cas. Après, bon voilà, j'en suis qu'au tout début du jeu pour l'instant, je sais même pas combien de temps on va commencer le stream, on va être une heure et quart, un truc dans le genre, je pense. Ce que j'adore en fait, c'est pouvoir le fait de décoller avec ton vaisseau et retourner dans l'espace sans chargement. C'est juste dingue. Je vais bientôt y arriver. D'accord. Ah oui, c'est vrai que c'est pas commun ça les jeux de. C'est vrai que ça c'est pas commun ça les jeux dans l'espace où tu peux décoller naturellement toi-même sans transition. Parce que dans Destiny, tu vois, dans Destiny, ce qui est dommage, c'est que bon, c'est un jeu qui prenait pas mal l'exploration avec des décors différents, mais bon, au final, t'as aucune prise, quoi. C'est, tu décolles, c'est une cinématique qui décolle pour toi, et puis basta, quoi. Tu peux pas, puis après, au sol, y a rien aussi, quoi. C'est dommage, ça. Par contre, le chara-design, moi, je peux pas, franchement, je peux pas. Il est cliché à mort, c'est un truc de fou, quoi. Après, bon, pour moi, je joue pas au jeu pour ça, je m'en fous, moi, mais bon. Je sais que c'est pour les gosses, d'accord, mais quand je revois la gueule de ces persos, j'ai l'impression de revoir Time Crisis ou de revoir le chara-design de Resident Evil Révélation 1, tellement c'est moche, quoi. C'est... Les personnages, ils ressemblent à rien. Mason said back there. We should work together. Something tells me we're gonna need more manpower, and same goes for you guys. So what do you say? Yeah. I think it's a great idea. Let's talk it over at the Equinox. Actually, once you're here, I'd like to get a closer look at your ship myself. C'est vrai que je suis curieux de voir en fait comment ce qu'ils ont fait sur PS4 là, parce que là évidemment ils ont pas intégré Fox ni les dialogues, mais je suis curieux de voir comment ils l'ont fait sur truc. Là, il y a toujours le chargement. Là, il suffit de décoller, il va se passer, c'est sympa. C'est No Man's Sky Kids. C'est pas con, c'est pas con, ça. J'ai loupé un truc, par contre, je l'ai pas fait, No Man's Sky. J'aimerais beaucoup. Oh, bah, de toute façon, maintenant, il doit coûter quoi? Tu dois pouvoir le trouver pour 10 balles, hein. Il doit pas être très cher, maintenant. Ou même en solde, hein. Peut-être qu'en solde, il sera... Ah oui, effectivement, c'est vrai que la mise en scène, c'est pas mal, là. Ah oui, effectivement, c'est vrai que c'est pas mal fait, ça, le décollage dans l'espace. Ouais, effectivement, ouais, il y a un temps de chargement, tu vois, quand tu décolles, mais c'est naturel, quoi, je veux dire, c'est... il y a pas de problème. Ouais, Vanny, là, elle était énervée, je sais pas ce qu'elle avait. Ouais, vous avez dû entendre mon chien à travers le micro, là. Retour dans l'espace, découverte. Mais même pour les gosses, hein, le jeu, elle est relativement complet. Je veux dire, il y a un background, il y a des données à prendre en compte, il y a un codex façon Mass Effect, quoi. Bon, après, bon, c'est un univers, à mon avis, très léger, hein, bien sûr. C'est pas Mass Effect, hein, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Non, mais paradoxalement, c'est peut-être, en fait, le jeu à la base de figurines, peut-être le plus ambitieux. Toute proportion gardée, hein, si on reste évidemment dans le milieu des figurines. Hein. Mais c'est plus ambitieux que ce que je pensais. C'est peut-être même plus ambitieux que Skylander, The Disney Infinity, etc. I foresaw this moment many years ago.
Now the gift appears. Putain, la gueule du méchant quoi avec son masque. Ils ont essayé de faire Majora Mask Echo Plus ou ça te passe comment? Parce que. La gueule du masque, je te jure, c'est. Enfin mine de rien pour un gosse il y a quand même des trucs bon je vais pas dire sombre ni violent hein, mais bon pour un gamin là genre voir cette scène avec ce serpent dégueulasse là où le gamin peut imaginer que l'autre va le torturer avec c'est quand même pas c'est quand même pas fait pour les gamins là, ça. Mine de rien, le crossover est plutôt bien implanté hein, entre l'équipe d'Atlas et l'équipe Starlink et l'équipe Star Fox. I got contacts and I know who took St. Grant. Let's talk to them first. This is the only intel I trust. The Legion's got a hierarchy. An order's got to come from somewhere. Let's crack a few more open and see where that gets us. Attendez un jeu, regarde la cinématique, je vous lirai après les gars. What are we waiting for? Let's get out there. Là, t'as Mitsurugi Echo Plus, là. Ok, bon, ça va, c'était rapide. Hop. En comparaison aux Amiibo, c'est sûr que les vaisseaux dans les couleurs sont pas trop bien faits, mais au final. Ah oui, oui, après, bon, c'est sûr. Après bon j'ai pas vu la gueule des vaisseaux, hein. Enfin je les voyais comme ça, c'est quand je vais balader en magasin, etc. Mais j'ai pas vraiment fait gaffe. Par contre l'Arwing, pour les intéressés, si vous voulez, je vous enverrai une ou deux photos là, que j'ai prises là de l'Arwing. La figurine de l'Arwing est vraiment bien faite. Hein. Pour le coup je m'attendais vraiment à de la pure merde. Mais autant la figurine de Fox elle est dégueulasse, on dirait un jouet McDonald's là, mais même pas un jouet McDonald's, parce que même dans les jouets McDo, là je me souviens de ceux de Mario, ils étaient pas si mal que ça pour des jouets McDo. Mais alors la figurine de Fox, on dirait une fève pour Galette des Rois tellement elle est dégueulasse. Et encore, je pense qu'une fève, c'est. Je pense encore une fève, c'est plus joli, quoi. Mais la finition, par contre, de l'Arwing, j'étais vraiment surpris. Hein. La figurine, je vous enverrai une photo, si vous voulez. Elle est pas mal. Je voulais pas les prendre tous, mais quand j'ai eu la promotion de 2+1, j'ai eu gratuit, j'ai pris. Ouais, forcément. Non, le jeu, t'inquiète, hein, je confirme, il est bien en français, mais là, la voix française, elle était tellement nanar, j'en pouvais plus, là, quoi. Puis en plus, comme il y a la voix de Norman dedans aussi, là, non merci, quoi. Bon, je joue pas un jeu pour me retrouver avec la voix de YouTuber, là, pour gars, pour pyjama de 10 ans, là, dedans, quoi. Après, j'ai rien contre Norman, hein, mais bon, je veux dire, je sais pas ce que des YouTubers foutent dans des jeux, dans des films, pour prendre la place de vrais doubleurs qualifiés, quoi. C'est, évidemment, c'est comme l'affaire du film Ratchet & Clank, où il y avait eu, comment il s'appelle, Squeezie, ouais, c'était Squeezie, je crois, qui avait fait la voix de Ratchet à la place de... Comment il s'appelle le doubleur de Ratchet? C'était pas Martial Le Minou, il fait Clank. C'était l'autre, là, Marc Saez, ou un truc dans le genre, je crois que je dis pas de conneries, là, mais... Mais bon, après, le truc, oui, voilà, bon, c'est que c'est pour les gamins, c'est sûr et certain. Les gamins, tu leur dis, la voix de ton youtubeur préféré dans le film. Bon, c'est sûr qu'ils vont foncer, hein. Papa, on peut aller voir Ratchet & Clank? Bon, voilà, c'est ça. Donc, du coup, ouais, non, ouais, là, j'ai préféré mettre la VO, Coda. Alors, on a quoi? Un point de compétence, ultime courage, Fox serre les dents.
Il inflige plus de santé quand la santé. Il inflige plus de dégâts quand la santé est critique. Les compétences de pilotage augmentent l'énergie du vaisseau de 10 par niveau. Fogg transmet sa passion à ses amis, ce qui améliore les dégâts du barrage initial du partenaire. Ouais, vous avez... Parce qu'il joue toujours en équipe, Fox est inspiré par ses coéquipiers, un fils des gars supplémentaires, parce qu'il est proche de ses alliés. Mmh. Le pire, c'est qu'on a un pack à l'autre, Nono, Fox a une tronche différente. Ah bon? Ah d'accord. Je savais pas ça. Ultime courage, il n'affiche plus de 200 dégâts. Augmente l'énergie du vaisseau de 10 par niveau. Mmh, je sais pas quoi mettre. Les dégâts du barrage initial, je m'en tape, perso. Les combos élémentaires. Bon, je vais prendre le l'as du pilotage. Vas-y. Ah oui, le débat qu'on a eu tout à l'heure avec Koda et concernant les jouets figurines, si plus tard ça sera cherché ou pas. Ah oui, pas mal ça, sympa. Ils t'ont mis un passage en vitesse lumière à la... Un passage en vitesse lumière à la Star Wars. Planète inconnue, j'étais pas allé là-bas. C'était quelle planète à laquelle j'étais? C'était Kirit? Non. Heaven, non, j'y suis jamais allé. Planète inconnue, non. Avec des planètes inconnues. Mine de rien, le jeu a l'air plutôt bon, hein, il y a d'avoir pas mal de planètes explorées. Kirit, apparemment, j'y étais allé temps en temps, là, Kirit, c'est la planète du désert. Et mine de rien, la transition en fait de l'espace, d'aller s'attacher à l'orbite de la planète pour après se retrouver à la surface, faut quand même avouer que c'est quand même bien fait. Franchement, agréablement surpris. Si, c'était bien la planète du désert du coup. Figure-toi que je me pose la même question d'un côté, mais de l'autre côté, à voir avec le temps, ça fonctionnera. Pour les animaux, c'est la beauté de la figurine. Bah après, moi, comme je le disais à Zav, je pense que ça, s'il y a un seul type de figurine qui doit continuer à fonctionner, pour moi, ce sera les amiibo. Parce que déjà, les amiibo, maintenant, Nintendo les considère même plus comme des figurines que tu peux utiliser pour avoir des personnages à l'intérieur du jeu, quoi. Contrairement aux Skylanders, etc., qui, eux, sont vraiment le cœur même de ça. Et les amiibo, maintenant, c'est plus des figurines considérées comme des figurines de collection de l'univers Nintendo, plus que des figurines pour jouer avec, quoi. Donc, du coup, à l'intérieur du jeu, je parle. Et puis t'ajoutes à cela qu'il y a la magie Nintendo, que Nintendo ça existe depuis 30 ans, que c'est culte, etc. Bon, évidemment, forcément, ça fait un effet boule de neige, faisant que les amiibo sont le seul type de figurines qui ont émergé à cause de la manie des jeux vidéo à base de figurines, qui marchent encore nickel, les amiibo. Tandis que tous les concurrents des amiibo sont cassés la gueule, y compris le précurseur de cette mode, c'est-à-dire les Skylanders.
C'était lequel de Skylanders, Coda, qui valait 200 balles? Parce que je les connais à peu près, les personnages, donc... Mais après, il doit y avoir des variantes ou des exclusivités, tu sais, venant de salons du jeu vidéo, des coréens en genre. Il y a toujours, de toute façon, des variantes qui vaudront cher, qui sont recherchées, parce qu'elles ont été... Il y a des Skylanders, par exemple, qui étaient distribués qu'à des E3, précisément, quoi. Et quoi, ou alors qui étaient carrément donnés uniquement aux développeurs du jeu, et à personne d'autre. Donc imagine, le développeur voulait le vendre sur Internet, parce que je pense qu'il avait le droit... si un mec voulait le racheter, évidemment, là c'était la version de tel personnage vendue uniquement, enfin confiée uniquement aux développeurs et que tu pourras jamais trouver dans le commerce. Donc forcément, là je pense que ces versions là pourront être recherchées. Bon, après le prix, hein, il valait en conséquence. Hein. Forcément, perso, moi je mettrais jamais le prix pour ce genre de truc, mais bon, à la limite, ça oui, ça peut être. Ça peut être des versions. Des versions recherchées, mais je pense que en globalité, le jouet figurine, enfin le jouet vidéo, comme on peut l'appeler, je pense pas qu'à part les Amiibo, il y en aura beaucoup qui seront recherchés, enfin les Skylanders, je pense pas en tout cas. Enfin, ce qui m'étonne d'ailleurs, parce que Skylanders, à l'époque, j'aimais beaucoup la licence, mais bon, maintenant je m'en suis détaché parce qu'elle me sert plus à rien. Donc ce que j'ai fait au final, j'ai revendu la plupart de mes figurines, ou certaines que j'ai données à des potes qui avaient des enfants et qui pouvaient s'en servir donc pour jouer avec. Mais sinon, j'ai vendu la plupart de mes figurines Skylanders et j'ai aussi vendu quelques figurines rares que j'avais. Genre, il y avait deux dragons là, il y avait un dragon de lumière et un dragon des ténèbres. C'était les dernières figurines à être sorties pour Trap Team, mais elles étaient sorties en peu de quantité. Et pour trouver ces deux dragons là, le dragon de lumière et le dragon des ténèbres là en version, enfin en œuf sous blister, dans son emballage, là, à mon avis, ça va être dur. Hein. Et puis le prix, en conséquence aussi. Hein. Ni de kobolds. C'est où qu'il y a un ennemi là? Ah oui, c'est bon. Donc là, pas oui, en fait, ça dépend. Et donc du coup, à ce dragon de lumière et dragon des ténèbres, là, comme j'en avais plus la nécessité, moi je les avais qu'en loose, hein, je les avais pas en boîte, je les ai quand même réussi à les vendre 25 euros pièce, quoi, pour te dire. Ouais, voilà, c'est ça, moi je pense que les banales vont rester stables, mais je pense qu'après, plus tard, les décotées ou les rares, elles vont effectivement, il y aura effectivement certaines qui vont coter, quoi, c'est, vous voyez, c'est sûr et certain. Après, faudra voir quoi. Après, on peut pas en être sûr, hein. De toute façon, c'est sûr. Parce que, de toute façon, là, maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que la mentalité de maintenant n'est pas la même que celle d'il y a 20 ans. Il y a 20 ans, personne ne se disait, tiens, je vais garder tous mes jeux Super NES en boîte, mes jeux NES, mes jeux Mega Drive, etc. Parce que dans 20 ans, ça va coter, tout le monde recherchera ça. À l'époque, personne pouvait le savoir, tout le monde s'en foutait. Tout le monde avait foutu ça à la poubelle, ou tout le monde avait vendu... Les trois quarts, hein, je parle, avaient vendu leurs jeux Super NES, Mega Drive, etc. pour acheter la PlayStation, pour acheter la Nintendo 64, j'en sais rien, bon, enfin j'ai dit conneries, vous voyez le truc quoi. Et maintenant, il y a une mode qui fait que le rétro gaming est revenu à la mode, que tout le monde, enfin, début des années 2010, je parle, que parce qu'il y a des gens, il y a des joueurs du grenier qui a émergé, il y a plein de trucs, plein de facteurs qui ont fait que les gens voulaient retourner dans le passé, rejouer à des jeux qu'ils ont aimé, etc. Faisant qu'il y a eu la l'offre et la demande, après t'as les jeunes qui sont intéressés là-dedans. Après, t'as la manie des vide-greniers qui s'est lancée, t'as la manie des youtubeurs qui font des vidéos achats et des live vide-greniers qui se sont lancés en plus. Bon, le rétro gaming, maintenant, les prix, ça, Internet, l'explosion d'Internet a fait en sorte que, en plus des youtubeurs, ben, que le rétro gaming est assez élevé. Enfin, tu vois, bon, ça a été un effet boule de neige de rétro gaming qui était complètement inattendu. Puis après, bon, de toute façon, sans compter les éditeurs eux-mêmes qui s'y ont mis avec leur réédition de console mini. Même si, bon, personnellement, je trouve que ces consoles mini, que ce soit la Super NES Mini, la NES Mini, la PSX Mini, les Sega Mega Drive Mini, tout ce que vous voulez, pour moi, c'est de la pure merde, ça sert strictement à rien. Quitte à faire de l'émulation, moi, je pense qu'il vaut mieux aller sur du Raspberry ou alors sur de l'émulation pour le PC, quoi, et puis basta. Parce que ça vaut absolument pas le prix que ça coûte, c'est merde. Hein, en tout cas, c'est un universo. Hein. Bon, je trouve que c'est du foutage de gueule légendaire, surtout la PSX Mini, d'ailleurs. De toute façon, la PSX Mini, hein, c'est tellement du foutage de gueule qu'au final, elle s'est tellement mal vendue que maintenant, elle se retrouve à 50 balles soldées maintenant, donc tu sais. Ah bah t'es pas le seul, Coda. Hein. Moi aussi, il y a des jeux que j'avais revendus à l'époque sur GameCube notamment. Genre j'avais vendu un Ikaruga 20 balles pour acheter des jeux 360 qui m'intéressaient, des jeux de 360. Je m'en suis mordu les doigts.
Heureusement, Ikaruga, j'ai pu le récupérer il n'y a pas longtemps. Enfin, il n'y a pas longtemps. Je dis ça il y a 5 ans. Je l'ai récupéré il y a 5 ans sur Amazon Ika à 25 livres. Ce qui faisait une trentaine d'euros, quoi, ce qui était très correct. Alors que maintenant, un Ikaruga sur Gamecube, ça va valoir 50-60 euros et encore peut-être plus. Donc bon, ouais. Ah oui, bien sûr, il y a toujours eu des vide-greniers, des brocanteurs, etc. Zav, mais ce que je veux dire, c'est que personne s'y intéressait, quoi. On va dire 5% de la population, quoi. Et limite, on te prenait pour un... Et limite, on te prenait pour un type... on te prenait pour un con à dire, mais putain, pourquoi il achète encore des jeux... Pourquoi il achète des jeux vieillots comme ça, alors qu'on est passé sur... alors qu'on est passé sur sur PS1, PS2, etc. quoi. À l'époque, hein, les gens se disaient ça. Mais après, pour ce qui est du jouet vidéo, maintenant, je pense pas que ça cotera, parce que, à part quelques exceptions. Parce que le problème, c'est que maintenant, tout le monde le sait. Maintenant, tout le monde le sait qu'il y a une explosion sur les produits rares, etc. Mais regarde, c'était le cas des animaux. Ça a été le cas des NES Mini. Ça a été le cas de la NES Mini. Mais maintenant, tout le monde, ça a été le cas aussi du premier collector Fire Emblem qu'on a eu sur 3DS. Le Fate, celui-là, qui comptait la cartouche spéciale qui avait les trois jeux en un. Là. Mais regarde maintenant, tout le monde s'en fout. Maintenant, les collectors, tout le monde s'en bat les couilles. Regarde les Fire Emblem, tous les autres jeux, les autres collectors, on en trouvait encore partout des mois bien après la sortie du jeu original. Tout le monde s'en fout maintenant. Ce sont des modes qui sont passés. Et le problème, c'est qu'on est tellement saturé sur le marché de produits collector, entre guillemets, que moi, je pense pas que personnellement, ça augmentera de prix plus que ça, même dans les années à venir. Tout le monde est lassé, il y en a trop. Alors moi, je pense que pour les jouets vidéo, moi, je pense que ce sera exactement pareil. Il y aura des exceptions, mais je pense pas que ça cotera à donf, comme peut coter le retro gaming sur certaines pièces précises, quoi. Après, bon, bien sûr, voilà, hein, comme on dit, moi, je suis pas visionnaire, hein, j'ai pas la science infuse, hein, pour moi, ce n'est qu'un avis, mais par rapport à l'étude du marché actuel. Mais pour moi, là, le marché arrive à saturation de produits collector, où, à part quelques exceptions qui le seront vraiment, toutes les hypes sont retombées, y compris autour de Nintendo. Alors qu'à l'époque, on nous cassait les couilles avec « Ouais, achetez votre NES Mini maintenant, il n'y en aura plus, ça va être trop rare, machin, les revendeurs vont se faire plaisir. » C'était pareil pour les premiers Amiibo. Et maintenant, regarde, il y en a absolument partout, limite à ce que ça en dégueule. Tiens, c'est pareil aussi, là, l'exemple récent là sur 3DS, Radiant Historia, la version améliorée là de ce RPG de la DS à la base qui est sorti sur 3DS. On nous cassait les couilles à dire que c'est super rare, machin et tout. Première semaine, effectivement, c'était en rupture pendant, allez, une ou deux semaines. Et après, Koch Media en a tellement foutu partout, que des Radiant Historia, tu les trouvais soldés à Micromania maintenant. Enfin, tu les trouvais soldés maintenant, je sais pas s'il y en a encore, mais tu vois ce que je veux dire, quoi. Donc, voilà, franchement, pour moi, c'est... Pour moi, je pense que la hype ou même la nostalgie, comme on dit, effectivement, c'est différent, hein, c'est différent, Zav, mais moi, je pense que ce qui cote, ce qui aura de la valeur là actuellement là, ce sera quelques figurines précises, ou alors ce qui pourra coter vraiment plus tard, ce sera peut-être des jeux en édition limitée comme les Limited Run, les Strictly Limited Games, les Super Rare Games, etc. Ça, je pense qu'effectivement ça ne pourra que coter et ça ne baissera jamais en conséquence vu qu'on n'aura jamais de réduction, on n'aura jamais de réédition, quoi, sauf exception précise, quoi. Ah, merde, je suis mort. Oui, bah enfin, j'ai que ce vaisseau, moi, donc du coup. Au moins, ça va, le jeu est pas trop punitif. Ouais, c'est vrai que je parle tellement que je fais même pas gaffe. Je parle tellement que je fais même pas gaffe à ce que je fais ou. Ah, attendez, je vais vous lire tranquillou, hein, parce que là, j'ai fait tellement un monologue. Non, je pense vraiment que la NES Mini, elle a aussi marqué son époque, le simple fait que Nintendo sortit ce produit lui donne une valeur. Oui, parce que c'était les premiers. C'était les premiers à avoir lancé cette hype du retro gaming mini, quoi, on va dire. Mais maintenant, c'est saturé, il y en a partout. Même si, bon, après, ça existait déjà, hein. Les Sega Mega Drive Mini, etc., elles existaient déjà, mais bon, comme elles étaient pourables et que Sega n'avait jamais fait la promotion de ça, notamment à cause d'AT Games... Forcément, personne s'y intéressait. Ou sur console Tipeee pour le retrogaming. Oui, aussi Chewy. Ouais, désolé, hein, j'ai pas mal de retard sur les messages. C'est trop récent pour évaluer la collector, qu'en sera-t-il dans 20 ans. Après, oui, bah voilà, je te parle juste de trucs qui seront pas réédités probablement, tu vois, comme là je viens de le dire pour les jeux Limited Run et compagnie, quoi.
Mais après, oui, bon, tout ça c'est compliqué, effectivement, et on ne pourra que voir ça dans le futur. Ça, c'est sûr. Tu peux reprendre le même vaisseau, mais retourner à un endroit précis que t'impose le jeu. Ah, d'accord, ok, ça marche. Ouais, en fait, oui, c'est... Plus t'achètes de vaisseaux, plus ça agit comme des vies, quoi, en fait. Voilà, c'est ça, à peu près. Ça marche. Bon, après, de toute façon, ce truc-là, il a un niveau trop élevé pour moi, là. Bon, enfin, ouais, de toute façon, on va... En fait, on va continuer la mission principale, là. Après, bon, de toute façon, que ça devienne rare ou pas, moi, personnellement, je m'en fous. Moi, je profite de l'instant présent, quoi. Alors après, effectivement, quand il y a des jeux en édition limitée qui m'intéressent, de jeux des maths sortis en boîte, bon, là, je traîne pas trop, hein. Je les prends direct, quoi. Je pense notamment, là, il y a pas longtemps, là, j'ai précommandé Céleste, que je suis en train de faire comme platformer 2D, là, à la Indies Night ou Super Meat Boy, qui est excellent, c'est une tuerie. Franchement, c'est une tuerie, je surkiffe le jeu en y jouant en ce moment, là. Bon, après, bon, j'étais tellement impatient d'y jouer que je l'ai acheté sur Steam à 10 balles en solde. Mais le Céleste, là, j'apprécie tellement le jeu que ça, c'est le jeu que je veux garder pour une trace physique, pour ma collection, ou après pour, entre guillemets, mes proches, pour leur partager ce jeu, etc., tu vois. Vu qu'évidemment, nous, on est dans les générations qui a vécu dans le physique, donc forcément, on préfère le jeu physique. Mais effectivement, j'ai des points d'exclamation là qui me permettent d'améliorer les armes. Il faut que je le fasse, oui, parce que c'est vrai que j'y pense pas, en fait. Plus 10% de durabilité quand le vaisseau est sur le point. Alors, qu'est-ce que je peux améliorer? Modification, équipé. Plus 20% de dégâts. Ah non, ça c'est pour les armes. C'est parfait. Non, mine de rien, il y a un aspect customisation RPG qui est plutôt bien pensé dans le jeu. Ouais, Dorn, il me l'a dit aussi, Wubi, qu'il a craqué. Mais en plus, il a craqué à cause de moi. À la base, au jeu, il devait l'intéresser un peu aussi. Enfin, il m'avait dit après qu'il avait un autre pote à lui aussi qui lui avait parlé du jeu, donc il était intéressé. Mais il m'a dit aussi qu'à force que j'en parle ou qu'il a regardé un petit peu mes streams, ça lui a donné tellement envie que, au final, ouais, il l'a commandé. Ouais. Tiens, j'avais pas exploré là-bas, au fait. Oula, niveau 9, ouais, non, c'est pas pour moi, ça. Niveau 3, tiens, c'est faisable, on va aller voir. On sera jamais riche avec ça, parce que bien souvent, un jeu rare se vend plus cher, mais jamais aussi cher qu'au prix d'achat. Oui, et puis de toute façon, après, il faut surtout trouver la personne qui l'achetait, quoi. Parce que, mine de rien, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai l'impression que le rétro gaming commence à être en légère perte de vitesse, hein. J'ai remarqué qu'il y a certains jeux rares, là, je sais pas, je pensais notamment, je sais pas, Banjo-Tooie. Alors, est-ce que c'est un jeu rare, Banjo-Tooie? Non, enfin, pas. Il n'est pas aussi courant que le Kazooie, mais bon, pour moi, c'est pas non plus un jeu rare absolu de la 64. Je sais pas comment il se négocie avant en complet, ça devait être du 70-80€, je crois. Ouais, je sais plus. Et en complet, je l'ai vu dans un cache, il était à 50 balles. Après, c'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Mais j'ai quand même l'impression que le retro gaming, mine de rien, ça se casse légèrement la gueule, en fait. J'ai l'impression qu'il y a certains jeux cotés qui commencent à baisser légèrement de prix parce qu'il y a de moins en moins de personnes intéressées ou parce que maintenant elles commencent enfin à comprendre que rétro gaming c'est trop cher et ça vaut pas du tout les prix qu'on peut mettre dedans, voilà quoi. Moi je sais pas, j'ai remarqué en tout cas que le rétro gaming il y a un engouement qui est moins prononcé qu'avant quoi. Je sais pas pour vous après mais... Dans les niveaux aussi t'as les objets que tu peux ramasser. Ouais, j'ai déjà vu un petit peu les ressources qu'on pouvait ramasser en effet. Koda, mais j'imagine qu'il faut les crafter quelque part pour pouvoir les utiliser, hein. Pour après fabriquer de nouveaux trucs, ou des mods d'armes, des trucs dans le genre. J'ai vu qu'on pouvait scanner les animaux, ouais. Mais ça, bon, ça, c'est, j'imagine que c'est pour uniquement pour le codex. Ça, j'imagine que c'est uniquement pour le codex. Pour le codex, enfin la base de données du jeu, quoi, sur l'univers. Ah oui, après peut-être, hein, Koda, c'est sûr. Ouais, la nostalgie de jeu lourd a toujours une valeur, mais là, le rétro gaming fait dépenser des sommes absurdes. Ah oui, non, mais ça, pour moi, le rétro gaming perso, bon, enfin, après, chacun fait ce qu'il veut, hein. Je suis personne pour juger, méprise, etc., mais moi, je comprendrais jamais les gars qui mettent des sommes astronomiques dans des jeux, mais
En plus des jeux de merde, hein, des fois. Je sais pas, quand je vois des mecs qui se pahutent sur du Rule of Rose, par exemple, un jeu qui coûte 150 balles, mais qui les vaut tellement pas, quoi. Enfin, moi, après, je parle. Après, moi, je suis maintenant, je suis plus ce joueur que collectionneur. Je collectionne plus vraiment, à tel point que maintenant, je me suis séparé d'une partie de ma collection, quitte à jarter des jeux rares qui me servaient à rien, parce que c'est les jeux qui me correspondaient pas, je les ai vendus à bon prix, hein, ou après, je les vendais à des potes, ou après, j'en donnais, etc. Mais maintenant, moi, je parle pas à cause de la valeur du jeu, mais en fait, à cause de la qualité. Un jeu 150 balles, déjà, pour moi, c'est complètement fou. Mais se branler sur du Rule of Rose, alors que c'est un survival horror qui est pas mauvais, mais il est très loin de vouloir d'avoir la branlette spéculative qui vaut, quoi. Enfin, je sais pas, après, bon, voilà, hein, moi, c'est que mon avis, hein, mais... moi, les personnes qui mettent entre 100 et 150 balles dans un Rule of Rose, par exemple, je donne qu'un exemple, hein, parce qu'il y en a parmi tant d'autres, hein. Mais moi, je sais pas, ça me fout hors de moi, quoi. Enfin, moi, je trouve ça, mais complètement con, quoi. Moi, franchement, jamais de la vie, que je sois rare ou pas, que ce soit un jeu rétro ou pas, jamais de la vie, je mettrais plus de 100 euros dans un jeu, quoi. Et encore, pour que je mette 100 euros dans un jeu, c'est si franchement, c'est un jeu qui est une tuerie monumentale que j'ai connue, que je voudrais absolument, quoi. Parce que la seule fois où j'ai mis le prix dans un jeu, c'était Metroid Zero Mission, sur Game Boy Advance, qui est pour moi une tuerie absolue, que j'avais surkiffé comme jeu, que j'ai jamais possédé moi-même. Et je l'ai acheté, là, il y a 3 ans, à République, là, donc sur Paris. Je l'avais payé 80 balles, mais il était mint, quoi. Il sortait limite du blister, quoi. Il était mint de chez mint, incomplet, archi-complet, etc., pas de souci. Mais voilà, après, moi, je l'ai payé 80 balles, et ça a fait mal au cul sur le moment, mais bon. Après, voilà, c'est le seul craquage que je ferai. Après, en fait, disons que je donne le mauvais exemple. Je parle plutôt des mecs, tu vois, qui vont collectionner, qui vont continuer à acheter des jeux, mais ils ont pas les moyens financiers pour. Et les mecs, en fait, ils se foutent eux-mêmes dans le rouge, ils se foutent même dans la merde eux-mêmes, plutôt que d'acheter des jeux, enfin, plutôt que d'utiliser leur argent à des trucs nécessaires. J'en sais rien, leur famille, la nourriture, le logement, j'en sais rien, je dis de la merde. Mais des fois, quand je vendais des jeux sur eBay, mais je vous jure, putain, mais il y a des gars, c'était des rapaces, ils me faisaient la manche, les gars, quoi. C'est limite, oui, vous comprenez, est-ce que vous pouvez me faire ce jeu à 10 euros moins cher, parce que bon, j'ai envie de jouer, mais bon, je suis pas très riche, machin, etc. J'ai des difficultés financières, mais putain, dans ce cas-là, t'achètes pas des jeux, mon gars. Tu taxes ta priorité sur ta famille, sur ta vie, j'en sais rien, mais t'achètes pas des jeux à ce moment-là, si tu peux pas, quoi. Enfin, moi, je veux bien être gentil, hein, mais je veux pas négocier, pour ça, quoi. Surtout qu'en plus, certains, il y en a certains, je suis sûr que c'est des fakes, hein. Enfin, il y en a certains, je veux dire, genre, ils sont riches, etc., mais ils tentent la négociation en mentant sur leur situation, entre guillemets. Il y en a, je suis sûr, c'est sûr et certain, ils doivent faire ça, les gars. Merde, putain, j'oublie tout le temps, les ennemis violets, ils sont casse-couilles, il faut essayer de bouclier. Ah, merde. Il faut que je me pose au sol là, parce que là, pour tuer ses ennemis, c'est mieux quand t'es au sol. Oui, voilà, c'est ça, Koda. Moi, c'est exactement pareil. J'adore le jeu vidéo, c'est une de mes passions principales. Mais moi, jamais de la vie, ça deviendra une addiction ou alors un moyen. Pour dire, ouais, regardez, j'ai acheté plein de jeux, je me suis mis dans la merde financièrement, mais je suis content. Super, ça t'avance à quoi? Ouais, bon, voilà, hein. Non, voilà, c'est ça, Koda. Koda et Zab, vous avez aussi complété ma réponse. Pour moi, c'est des gars qui veulent se branler, quoi, sur une collection, parce qu'ils ont vu que leurs potes faisaient pareil, parce qu'ils ont vu que... Enfin, c'est pour ça qu'en fait, moi, je quitte la collection à contre-cœur, quoi. La collection, j'aime beaucoup encore acheter des jeux que j'ai envie de découvrir, faire des... Bon, là, je pense qu'on va plus passer en mode de blabla, là, plutôt que de jouer au jeu, hein, désolé, les gars. Moi, la collection, ça reste une passion, mais... Je veux dire, quand je vois tout ce milieu sur YouTube, quand je vois des cancers, bon, je vais pas les citer parce qu'ils les méritent pas, mais bon, je pense que vous savez à qui je parle notamment des gars du Broken Game, par exemple. Quand je vois tous ces types-là, mais qui savent même pas ce qu'ils achètent, pourquoi ils achètent des jeux, mais qui connaissent rien, et qui pensent qu'à la valeur pécuniaire pour dire, regardez, j'ai acheté ça, je suis trop content, ça vaut 50 euros sur le net, je l'ai payé 2 balles, je connais rien au jeu, mais c'est pas grave. Enfin, je sais pas, enfin, moi, ça me dégoûte de la collection, enfin, à tel point qu'en fait, je me suis braqué, entre guillemets, je me suis fermé un peu de YouTube, quoi. Enfin, sur ça, je me suis un peu fermé sur YouTube à tel point que ça m'a même fait en fait me remettre une. Ça m'a fait me poser une question existentielle sur ma collection personnelle en fait. À me dire, putain, en fait, j'ai acheté plein de jeux moi aussi en fait pour l'effet de mode, mais que je jouerai jamais de ma vie quoi. Et effectivement, il y a plein de jeux que j'ai vendus là ces derniers temps. Pas pour me faire de l'argent, j'en ai rien à foutre de ça en fait, limite. Mais pour faire de la place et pour me recentrer mieux dans ma collection et garder les jeux que j'aime quoi. Et je me rends compte que maintenant, mentalement, putain, je me sens largement mieux, en fait.
Et je me sens largement mieux même aussi en fait d'avoir totalement quitté cette maille de la collection, de devenir joueur, et largement moins collectionneur en fait. Tout simplement. Après je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi personnellement en ayant fait ça, je suis vraiment content d'avoir quitté mon côté collectionneur. Enfin, après pas totalement, parce qu'on va pas, on va pas se mentir, je reste encore un minimum collectionneur, vu qu'il y a encore des jeux que je garde pour l'argument entre guillemets pour la collection. Mais maintenant à la base, maintenant moi si j'achète un jeu, c'est vraiment parce que le jeu je veux qu'il me plaise quoi. Je vais pas me dire putain je vais acheter 10 jeux qui me servent à rien juste pour faire une vidéo achat quoi. Ça pour moi c'est terminé, ça c'est. Enfin moi je trouve ça ridicule quoi. Donc du coup moi ouais en fait j'avais quoi? J'avais 900 jeux. Et j'ai dû virer 400 jeux. Là je suis retourné à 480-500 d'après la dernière mise à jour de mon document Excel, il faut que je mette à jour. Mais voilà, maintenant moi si je vends des jeux maintenant, c'est pas parce que j'ai besoin d'argent, c'est j'en ai rien à foutre. C'est vraiment parce que en fait je veux me recentrer, garder les jeux qui m'intéressent. Et en fait cette remise en question, je l'ai eu l'année dernière en discutant avec un pote qui m'a aidé à me dire est-ce que je vais vraiment y jouer, est-ce que j'ai vraiment l'intérêt de garder des jeux qui me servent à rien au final, que je garde juste par effet de mode. Par exemple, ouais, il y a pas longtemps, il y en a plein qui m'ont sorti. Il y en avait un gars, un collectionneur de tout ce que je connais. Il me dit, ouais, t'as pas de Final Fantasy, t'es pas un vrai RPG. Mais d'une part, j'en ai rien à foutre. J'ai pas besoin d'acheter un jeu pour me sentir exister ou parce que posséder un Final Fantasy dans la collection, waouh, ça fait trop beau. J'en ai rien à foutre. Les RPG, c'est un genre que j'aime bien, ma petite dose. J'aime pas les Final Fantasy. Je vais clairement pas me faire chier à acheter des Final Fantasy sur PlayStation 1 pour faire comme les autres, acheter du Final Fantasy, quoi. C'est, enfin, moi, je trouve ça complètement ridicule, quoi. Une collection, c'est personnel. Moi, je veux pas faire ma collection par rapport à d'autres parce que mais, monsieur a acheté son propre Final Fantasy que moi, j'aurais envie d'acheter, quoi. Donc, enfin, vous voyez le délire, quoi. On se représente parce qu'on possède, c'est le mal de notre société. Ouais, bah voilà, c'est ça, ça. Ces gens-là se disent, ah ça, je t'ai lu tout à l'heure, Coda, mais moi, si j'achète ça et qu'après je joue, je dépenserai moins car je resterai dans ma télé. Ouais, voilà, c'est ça, Coda, c'est l'idée. Moi, de toute façon, maintenant, un jeu, je me prends même plus la tête. Il y a un jeu, je l'achète. Moi, c'est pour y jouer direct. J'arrache le blister, je joue au jeu. Et si le jeu me plaît pas, mais je m'emmerde même pas. Si je sens que le jeu, je prends même pas le plaisir à y jouer ou qu'il me sert à rien, mais je le dégage. Je le revends à Micromania, à la Fnac, j'en sais rien, sur eBay. Mais je le garde même pas, le jeu, en fait. Donc, voilà, quoi. Moi, maintenant, le jeu, je vais à l'essentiel. Le jeu, j'ai un bon affect avec. J'ai une bonne expérience, ok. Après, je le finis. Je me dis, est-ce que j'y rejouerai plus tard? Si oui, si j'en suis sûr et certain que j'y rejouerai plus tard, je le garde. Si je me dis, j'ai bien aimé ce jeu, j'ai passé un bon moment, mais c'est pas un jeu que je referai, bon, ben, hop, il dégage. Donc, voilà. Ah, toi aussi, tu t'es posé cette remise en question sur ta collection, Rosane. D'accord. Il y a un documentaire qui s'appelle Minimalisme. Regarde-le, ça va t'intéresser. D'accord. Ah, je connaissais pas, du coup. J'ai découvert ça sur Netflix. D'accord, merci pour l'info, Zav, je me renseignerai. Minimalisme, d'accord. J'appelle ça le gaming minimaliste, c'est ce que je m'applique depuis peu. Bah, au final, c'est un bon terme, et c'est un terme que j'emploie, que je fais maintenant aussi, Zav, du coup. Mais je te comprends, j'ai acheté le collector de Last Guardian à sa sortie, mais je n'ai pas encore joué dessus. Aujourd'hui, je me recentre aussi, mais je suis pas jeu de baston. Mais la compatibilité VR fait que j'aurais voulu que je l'ai chopé en collector à 40 balles, c'est le Tekken 7. Oui, bon, après, moi, on va dire, de toute façon, j'en ai déjà discuté avec Fox, et Fox, il a raison, il me dit ça. Il me dit que je suis un peu extrême quand même maintenant sur ma façon de collectionner et sur ma façon d'apporter ma vision par rapport aux autres. C'est vrai que maintenant, je considère qu'une personne, entre guillemets, qui fait un full set ou alors qui va commencer à acheter des jeux que je vois, mais qui sait même pas ce qu'il achète, etc., je vais commencer, en fait, malheureusement, mais malgré moi, c'est même pas personnel. Je vais commencer à avoir un mépris incertain envers cette personne alors qu'elle a rien fait, alors qu'elle fait sa collection de son côté et c'est son bif, c'est sa façon de faire et moi je m'en fous. Mais je sais pas pourquoi, malheureusement, en fait, j'ai développé malgré moi une certaine. Enfin, je saurais même pas quel mot en fait employer. Une certaine répulsion, voilà. On va dire une répulsion, mais pas méchante, pas nocive, ni rien. Parce que j'ai rien contre les personnes elles-mêmes, ni les collectionneurs, etc. C'est juste qu'en fait, quand je vois des personnes qui achètent des jeux, qui savent même pas pourquoi ils achètent et pourquoi ils y joueront pas, juste pour faire comme les autres, bah moi ça fait au final que je considère cette personne inintéressante et que je vais même pas lui parler en fait. Donc, enfin, vous voyez le délire en fait, hein, depuis que je me suis remis en question, je me suis posé pas mal de questions et je me suis tellement enfermé dans une bulle en fait que maintenant le jeu vidéo, au final je suis parti sur le YouTube game américain en fait.
Je m'intéresse même plus aux youtubeurs français en fait. Plus le temps passe, moins je regarde les youtubeurs français. Et même ceux que que j'apprécie pourtant, comme toi, Koda, comme Ryu, etc. Mais je regarde de moins en moins en fait. Et je me rends compte que j'ai même plus en fait envie de regarder ce genre de vidéos parce que ça ne me correspond plus. Pas à cause des personnes qui n'ont rien fait, qui sont toujours adorables à discuter, hein, c'est pas le problème. C'est juste que ça ne me correspond plus en fait. Et du coup, en fait, ben, Fox il me l'a dit, il me dit que je suis un peu trop fermé maintenant, et je pense vraiment qu'il a raison, quoi. Donc du coup il faudrait que je fasse un effort sur ça et que j'accepte de me rouvrir. Mais le problème c'est que je suis tellement parti dans un délire moi en fait en autodidacte sur le jeu vidéo qu'au final en fait je suis plus axé sur le fait en fait de regarder des vidéos achats pour découvrir des jeux. Parce que même moi vous l'aurez remarqué, hein, ça fait plus d'un an que je fais même plus de vidéos achats moi-même. Les vidéos achats j'ai arrêté, j'en fais même plus du tout, quoi. Donc c'est pour vous dire à quel point en fait j'ai changé de mentalité, mais brutalement, mais du jour au lendemain comme ça, quoi. Et en ayant des discussions avec des potes qui, au final, m'ont aidé en fait à avoir cette mentalité-là. Alors d'un côté, cette mentalité-là fait du bien, mais de l'autre côté, elle n'est pas forcément bonne non plus, parce que maintenant, tu te mets à développer des trucs que tu n'aurais pas cru avant, et des trucs qui peuvent, entre guillemets, je veux pas dire briser l'amitié, ça serait quand même fort comme mot, mais qui vont te mettre malgré toi une barrière que tu ne voulais pas te mettre avant. Et ce paradoxe, en fait, je l'ai, et j'en discute régulièrement avec Fox, il a totalement raison, quoi. Donc c'est pour ça en fait maintenant je suis moins présent sur YouTube et que je fais moins de vidéos, moins de streams, c'est parce que j'ai plus la motivation à faire ça en fait, j'ai plus l'intérêt de faire ça, quoi. Enfin les streams si, parce que les streams c'est naturel, parce qu'on peut parler, tu démarres ton stream, tu discutes, etc. Même si bon après les streams sur console, comme faire le stream de Starlink là, bon ça demande un peu de matos, hein, j'ai dû ressortir mon boîtier d'acquisition, le Elgato, le micro, etc. Mais bon après parce que ça me fait plaisir de... de discuter avec vous, hein. C'est pas du tout ça le problème. Mais c'est clair que maintenant, ben, je me suis mis une barrière naturelle qui n'a pas lieu d'être, quoi. Alors que pourtant, je respecte toutes les personnes, j'ai rien contre elles, ni rien contre personne, quoi. C'est ça le gros paradoxe. Tant qu'elles trouvent au cure un plaisir, ta collection a une raison d'être. Ils en parlent d'ailleurs dans le documentaire. Oui, voilà, c'est ça, Zab. Moi, pour moi, ma collection, elle est personnelle, et moi, j'achète des jeux qui me plaisent vraiment, que j'ai envie de partager avec vous, que j'ai envie de partager avec mes amis proches, avec ma famille, et comme ça, on passe de bons moments, etc., quoi. C'est là, franchement, le truc intéressant, quoi. Pareil, arrêtez d'acheter à tout bout de champ, gardez juste les jeux que j'ai joués ou achetés à l'époque, et aussi, juste garder les jeux que je suis et que je jouais dans quelques années. Oui, voilà, c'est ça. Bon, au moins, ça me rassure, vous, ici, dans le chat, au final, même si vous êtes beaucoup plus collectionneur que moi, je pense, pour la plupart, dont toi, Koda, hein, je sais que tu fais un full set et que tu... Enfin, vous faites un full set Wii U avec ta chérie, du coup, bon, ça, moi, je respecte hein, l'idée, il n'y a pas de problème. Même si, bon, après, vous connaissez mon avis sur le full set, moi, personnellement, je comprends pas l'intérêt, mais bon. Après, on va pas débattre là-dessus, hein, je veux dire, je respecte la vie de chacun, évidemment. Et heureusement, d'ailleurs, parce que chaque collection est personnelle. Et moi, je suis personne pour mépriser ou pour juger quelqu'un. C'est déjà, ça se fait pas, surtout quand t'as des personnes adorables que t'aimes, que t'apprécies. Mais c'est surtout que question moralité, respect, ça se fait pas du tout, quoi. Chacun fait ce qu'il veut, même s'il y a des trucs qu'on peut pas comprendre et qu'on n'a pas et qu'on trouve qu'ils sont sans intérêt, parce que ce qui est sans intérêt pour moi ne le sera pas pour d'autres. Et de toute façon, c'est totalement compréhensible. Je te comprends très bien, idem pour moi. Non, t'as une idée, ton avis, et c'est normal. Tu es une des personnes que je peux mettre dans le groupe de Ryu, Lovecraft, par exemple, car tu as une vraie connaissance du vidéo. Ah bah merci Koda, c'est gentil. Après, bon, je prétends pas... Je sais que j'ai des solides connaissances, mais je veux dire, moi, je préfère rester modeste. Hein, je prétends pas être le plus grand connaisseur du monde, heureusement. Il y a tellement de choses à découvrir dans le jeu vidéo, chez chaque constructeur, dans chaque histoire, que c'est impossible de tout connaître, quoi. Et les personnes qui se la pètent en se croyant être des dieux du jeu vidéo, en disant « Ouais, non, moi, je connais tout, toi, t'es une merde, etc. » Enfin, les mecs comme ça, moi, je les fuis comme la peste, hein, aussi, c'est des cancers. J'ai quelques exemples en tête, mais bon, je les dirai pas ici, parce que bon, ça sert à rien d'en parler, on va pas perdre notre temps. Je vous rassure, hein, vous en faites pas partie dans le chat. Hein. Je préfère préciser pour pas qu'il y ait de malentendus. Depuis un changement de vie, au passage, je l'adore Fox. Ah oui, non, Fox, il est super adorable, hein, franchement. Il est super adorable, j'espère vraiment le rencontrer prochainement parce que c'est un passionné, tu vois, qui a vraiment de bonnes idées, qui se prend pas la tête, qui a une bonne moralité. Il y a des fois, lui et moi, on n'est pas toujours d'accord sur certains points, mais en globalité, on s'entend super bien, il n'y a aucun problème. Donc, non, oui, Fox, non, franchement, c'est une personne adorable, ça y a aucun problème. Mais bon, de toute façon, il le sait, hein, je lui ai déjà dit plusieurs fois. Le full set ne va jamais attirer si je considère un jeu de chiasse, il peut coûter 0 ou 100 euros, il restera un jeu de chiasse. Bah, j'ai à peu près le même avis.
J'ai à peu près le même avis, Chewie aussi, en effet. Mais même après, même les jeux cultes, hein, tu vois, les jeux cultes, je pense, je sais pas, allez, je veux dire, allez, à Super Castlevania 4. Alors, je sais pas combien ça coûte, hein, Super Castlevania 4 en boîte, hein, là, sur Super NES. Mais un Castlevania 4, aussi génial soit le jeu, jamais de la vie, j'irais foutre plus de 100 balles pour une boîte en carton, etc. Hein. Moi, si je veux jouer au jeu en original, bon, si je trouve une cartouche à 20 euros, allez, 30, why not. Mais si je veux jouer à Castlevania 4, moi, maintenant, c'est émulation, Raspberry, où je me rends plus la tête. Bon, après, moi, mon cas, c'est pas vraiment, moi, mon cas est pas vraiment à prendre en compte parce que ma collection Super NES, je l'ai gardée avec mon frère depuis plus d'une vingtaine d'années. Super Castlevania 4, mon frère l'avait acheté en boîte à la sortie du jeu, et on l'a toujours en mint. Donc, du coup, forcément, mon exemple, il est pas vraiment judicieux, en fait. Faudrait plutôt prendre le cas d'un jeune joueur qui n'a pas connu le rétro gaming, parce qu'il est né dans les années 2000, on va dire, qui voudrait jouer à Castlevania 4. Là, ce que je lui conseillerais de faire, c'est de jouer par émulateur, c'est pas d'aller se ruiner pour aller... C'est pas d'aller ruiner, par exemple, ses premiers boulots d'étudiant, voilà, je cherchais le mot, avec une paye que tu peux utiliser pour acheter vraiment un truc qui t'intéresse, et ne pas claquer 100 euros dans le carton, quoi. Donc, voilà. Après, s'il peut trouver le jeu à 30-40 balles en boîte, à la limite, ok, tu vois, ça peut se laisser tenter. Mais moi, je lui conseillerais jamais d'acheter Super Castlevania 4 à 100 euros en boîte, quoi. Plutôt d'aller sur l'émulation, quoi. Moi, je sais que si j'étais un jeune là qui avait découvert le rétro gaming là en étant né dans les années 2000, ah mais moi, je me serais limité qu'à l'émulation. Hein. Je me serais jamais de la vie, je voudrais commencer une collection rétro en physique, etc. Enfin, après, je dis ça, le problème, c'est que moi, j'ai 28 ans, donc je peux pas vraiment parler comme ça, parce que moi, j'ai connu une période, pour l'anecdote, hein, rapide, hein, sans rentrer dans les détails de ma vie. J'ai connu une période en fait dans le jeu vidéo où en fait j'ai tout connu grâce à mon frère aîné parce que j'ai eu la chance d'avoir un frère aîné qui quand je suis né avait déjà des consoles et il achetait régulièrement les jeux qui sortaient etc. Donc ce qui signifie que quand j'avais 5-6 ans, en 96, mon frère il mettait la main sur la Super NES, sur la Mega Drive, sur le Mega CD même, sur la Nintendo 64, la PlayStation. Moi en fait j'ai une avalanche de consoles en une que mon frère avait pu se payer à la sortie, faisant que moi je pouvais très bien passer de la 64 avec Zelda Ocarina of Time, et retourner sur la Super NES à jouer à Super Metroid, alors qu'on était en plein dans la 3D à la fin des années 80, enfin, quasi à la fin des années 90, mais moi j'alternais tout le temps entre la 2D et la 3D. Donc du coup, moi j'ai un parcours assez différent en fait de vous qui êtes plus âgé que moi, vu que vous avez vraiment connu à l'époque le rétro gaming de plein fouet, mais surtout vous l'avez connu à peu près day one ou un peu après. Tandis que moi, la Super NES, j'y joue en 96, mais évidemment la console elle arrivait déjà à sa fin de vie presque, alors qu'il y a eu la 3D, quoi. Donc moi du coup j'ai toujours eu une génération de retard en fait. Et quand j'ai commencé à acheter mes premières consoles, la toute première console que j'ai possédée c'était la Dreamcast qu'on m'a offerte pour mes bons résultats scolaires en 99. Je l'ai vu à la sortie, donc ça je m'en souviens très bien. Et après la première console que j'ai achetée avec mon propre argent de poche aussi, j'avais dû demander à mes parents là de puiser sur le compte sur mon compte bancaire dont j'avais pas le droit d'utiliser évidemment avant. C'était à mes 12 ans, c'était le 3 mai 2002, j'avais acheté la GameCube à la sortie, avec Luigi's Mansion et une carte mémoire. Ça, c'était la première console que j'avais possédée, et la GameCube était la console qui m'avait accompagné toute mon adolescence jusqu'à mes 17-18 ans. Et après, je suis passé direct sur la Xbox 360, que j'ai acheté avec mon propre argent de salaire d'étudiant, où là, après, c'est là que j'ai commencé vraiment à faire ma collection, à acheter les jeux qui m'intéressaient sur chaque console, etc. Et c'est là que j'ai commencé en fait à développer ma collection personnelle de jeux. Et puis après, ben, dans les années. Début des années 2010, bon ben YouTube a commencé à exploser. Il y a eu les collectionneurs jeux vidéo, etc. Moi 2013 je me suis lancé dans l'aventure YouTube pour partager le jeu vidéo avec vous. Et 6 ans plus tard, enfin presque 6 ans plus tard, là, 2019, me voilà avec vous. Et de toute façon, j'ai aucun regret, parce que franchement, on passe de super moments, on discute, c'est super intéressant, il n'y a aucun problème. Enfin voilà pour le speech personnel, sans rentrer dans les détails. Attendez, je vais vous lire, excusez-moi, j'ai un peu de retard. Avant, je n'avais jamais pensé à l'émulation, mais quand tu regardes sur le rétro et avoir certains jeux, c'est te ruiner. Donc l'émulation, c'est un super bon plan. Ah oui, non mais c'est clair, hein, Koda. Je pense notamment à l'exemple là, d'un jeu Mega Drive, là, un shoot'em qui est excellent, que j'ai adoré, qui s'appelle Eliminate Down. Eliminate Down, c'est un shoot'em qui est sorti qu'au Japon. Il a dû sortir un peu d'exemplaires. Je connais pas trop l'histoire autour du jeu. Elle a une histoire un peu bizarre. Mais maintenant, si tu veux un Eliminate Down en complet, ça doit taper dans le prix d'un jeu Neo Geo AES. Plus de 1500 euros. Donc en complet, non merci. Moi, je jouais vite fait. Hein. Si je veux jouer à Eliminate Down, qui est un shoot'em excellent, mais que tu finis en une heure, je vais sur émulateur. Hein. Ou alors j'achète un carte mode à 5 balles sur AliExpress et je me prends pas la tête. Hein. Non, parce que 2000.
2000 balles pour un jeu Mega Drive, non merci quoi. Et Eliminate Down, j'ai beau avoir adoré ce shoot'em up, j'irai jamais dépenser la somme qu'il vaut pour y jouer quoi. Je n'aurais jamais dit ça il y a 2 ans. Mais je pense que personne l'aurait dit ça, hein, Koda. Surtout que maintenant il y en a plein qui se font des Raspberry, etc. Et puis d'un côté, le Raspberry, maintenant c'est l'idée ultime hein, pour faire du rétro gaming à l'heure actuelle. Ça te lisse les consoles en HD sur ta télé HD, t'as toutes les consoles en une pour jouer. Après, l'inconvénient de l'émulation, de l'autre côté, c'est que t'as tellement un parc de jeux ultra conséquent que tu vas dire, putain merde, je vais jouer à quoi là? Parce que tu vas dire, ah non, je vais jouer à celui-là, je vais jouer à celui-là, ah non, je vais tester 5 minutes celui-là, je vais tester 5 minutes celui-là. Après, tu vas plus passer ton temps en fait à tester 2 minutes chaque jeu pour voir ce qu'il donne, plutôt que de te choisir un jeu et après le finir du début jusqu'à la fin, tu vois, c'est ça qui est paradoxal. Mais oui, c'est clair, Nono, nous sommes les derniers survivants de la génération physique. Donc un Castlevania 4 en boîte, pour nous, c'est un Graal. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Moi, je suis content de faire partie de l'ancienne génération, de la nouvelle aussi. Le physique et le démat ont tous les deux un intérêt. La génération Y. C'est ça, Zab. Bah, de toute façon, bon, après, avec le temps, plus le temps passe. Quand je vois des fois, ben justement, alors je crois que c'est, oui, enfin, c'est Lou aussi qui est contre le démat. Mais quand je vois, tu vois, Lou, par exemple, qui est contre le démat, à dire, par exemple, je me souviens, sa vidéo achat, il avait acheté Spyro, tu vois, il disait, ouais, Spyro, c'est chiant, il y a un patch de 20 gigas téléchargé pour jouer à Spyro 2 et 3. Sur le moment, sur le papier, il a raison, parce que Spyro 2 et 3, il faut les télécharger dans un patch avant de pouvoir y jouer sur la PS4. Mais ce qui est une idée incompréhensible d'Activision, alors que les Crash Bandicoot remake, la trilogie, elle est complète sur Blu-ray. Mais en fait, maintenant, moi je me suis dit oui et. En fait, c'est la question que je me suis posée après avoir vu la vidéo de Louvre, enfin, que je m'étais même posé d'ailleurs quand j'ai acheté Spyro Day One. Je me suis dit oui, mais bon. Le truc, c'est que maintenant, moi le jeu vidéo, je veux que ça soit un plaisir immédiat. Je veux dire, Spyro, le remake, on pourra peut-être plus y jouer dans 20 ans. Peut-être, parce que les serveurs de la PS4 vont peut-être fermer, parce qu'on ne pourra plus télécharger les 20 gigas de patch. Mais en fait, j'ai envie de dire oui, mais bon. Moi, perso, je m'en tape, en fait. Moi, si je veux jouer à Spyro, c'est maintenant, quoi. C'est pas dans 20 ans, quoi. Dans 20 ans, moi, je serais passé à autre chose. Hein. Je t'ai pas dit que dans 20 ans, je rejouerais à Spyro Remake sur PS4, quoi. Surtout que, est-ce que dans 20 ans, les PS4, elles marcheront encore, quoi. Donc, en fait, maintenant, tu vois, on peut dire qu'il y a du foutage de gueule, que le démat est en train de prendre le pas. Mais c'est l'évolution naturelle du jeu vidéo. Malheureusement, on n'y peut rien. Mais maintenant, moi, je me dis. Que le jeu vidéo soit en format démat, qu'il soit en physique, qu'il soit moitié complet, comme même Starlink, parce que Starlink il a 8Go plus un 8Go sur la cartouche, et le Starlink sur Switch, il faut télécharger un patch de 6Go avant de pouvoir y jouer. Je me dis, maintenant je m'en fous, mais en fait maintenant je veux jouer maintenant quoi. Je commence pas à me poser des questions sur le long terme, à me dire putain, qu'est-ce que ce sera ma collection dans 20 ans quoi. Je m'en fous de ça. Moi ce que je veux c'est jouer maintenant quoi. C'est pas. Là les Spyro, là j'ai platiné le 1 et 2, j'ai pris un plaisir monumental à aller faire à 100% et faire le platine. Je m'étais dit, super, je suis super content, je pourrais peut-être y rejouer dans 10 ans. Après, et à voir. Après, de toute façon, le jour où le démat hein, va commencer à arriver vraiment et que la PS4, les serveurs vont crever, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une copie de mes jeux sur le disque dur externe, etc. Mais de toute façon, qui nous dit qu'il n'y aura pas de réédition de Spyro? Ou qui nous dit que dans 20 ans, il n'y aura pas encore un autre remake de Spyro, des Spyro, qui sera même encore plus joli que le Reignited qu'on a eu cette année, quoi. Enfin, fin d'année dernière. Enfin, vous voyez le délire, quoi. Et si ça se trouve, peut-être que le Spyro Reignited va sortir sur PC, peut-être qu'il va sortir en remaster sur la PS5 ou la Xbox One 2, bon, c'est une connerie, hein, mais bon, vous voyez, hein. Les rééditions, ça va tellement vite qu'au final, je pense pas que le remake de Spyro sera totalement perdu, quoi. C'est juste pour donner, en fait, une comparaison avec ce que disait Lou, où j'étais pas vraiment d'accord avec lui, en fait. Hop, ah oui, attendez, merde, désolé, j'ai un peu de retard à force de faire les monologues. Perso, ma première console, c'est la NES, puis j'ai eu la Super NES, bien plus tard, la Dreamcast, Xbox et la 360. Ah, oh, bah c'est un joli parcours déjà, Koda, t'as eu des très bonnes consoles pour commencer. J'ai commencé à collectionner bien après, il y a 4 ans en fait. Bah, moi en fait, après, moi j'avais commencé à collectionner, mais sans vraiment le savoir, tu vois. En fait, moi quand j'ai acheté ma 3.6 en 2009, je commençais à rechercher les jeux, tu vois. J'avais commencé avec Halo 3, après j'ai eu Mirror's Edge, après j'ai eu Gears of War 2, mais en fait, j'étais pas encore dans l'idée d'une collection. Mais à force d'acheter des jeux 360, en 2011, je devais avoir une trentaine de jeux 3.6, je commence à me dire, tiens, je suis en train de faire une collection, en fait, là. Et en plus, le pire, c'est que j'avais gardé tous mes jeux rétro aussi, que mon frère m'avait offert sur Mega Drive, Mega CD, etc. Donc là, c'était là que je commençais à me dire, ah oui, tiens, en fait, je suis en train de faire une collection, mais sans forcément m'en rendre compte, quoi. Moi, ça a toujours été comme ça, 40€ max à l'époque, après, je gravais, Linker, émulation, j'achète quasiment plus rien, c'est très rare. Un ou deux jeux max, 10€, c'est pas tous les ans. Ah oui, d'accord, je suis oui, toi, en effet, ouais, là, t'es encore plus radical que moi concernant les achats de. Les achats de jeux, ouais, je vois ça. Génération X pour moi, en fait. Ouais, toi, t'es largement plus ancien, ouais, pour ça, en effet, ça. Le démat, comme je dis, a des avantages. Je dis des avantages pour les villageois, juste. C'est pas la génération 2.0 qu'on dit ça, ça, il me semble.
ou c'est l'internet 2.0. À chaque fois, je confonds les différents termes de génération, effectivement, qui rentrent en choc avec les anciennes et les nouvelles. Un carte mode, tu me choques. Par contre, oui, le démarque futur ne m'intéressera pas, mais je sais que d'office, je prendrai les gens en démat, mais je serai plus sélectif. Ah bah moi, de toute façon, c'est ce que je fais. Hein. Moi, pour que j'achète un jour démat, il faut vraiment que le jeu démat soit excellent et qu'il me plaise. Hein. Moi, je vais quand tu regardes Steam, par exemple, sur PC, Steam, c'est une base de données hallucinante. Quoi. Il doit y avoir, je sais pas combien de jeux qui sortent par jour, mais il y a des jeux indés mais qui sortent tous les jours sur cette machine, sur cette plateforme. C'est impossible de connaître et de jouer à tous les jeux Steam qui sortent sur la plateforme de Valve sur PC. Hein. C'est strictement impossible. Mais là-dedans, combien de jeux valent vraiment le coup? C'est pareil, il n'y a pas longtemps, j'ai vu des collectionneurs Switch qui disaient « Ouais, mais nous, au moins sur la Switch, en 2 ans, il y a au moins plus de 1000 jeux sur la Switch. » Ouais, et t'es content? 1000 jeux sur la Switch? T'en retiens combien qui sont vraiment excellents ou qui valent le coup d'être joués? À part une centaine de jeux sur Switch, et encore, plutôt une cinquantaine, je vois pas ce qu'il y a de super intéressant dans les 1000 jeux, quoi. Parce que quand je regarde l'eShop, des fois, je regarde l'eShop, tu vois, quand je m'ennuie, quand j'ai un peu de temps, mais c'est très fond des jeux mobiles ou des trucs éco plus qui servent à rien, mais tu as des gros jeux de merde, tu sais, où t'as même pas besoin de tester pour savoir que c'est bidon, quoi. Et le mec, il ose te sortir, il y a 1000 jeux sur Switch. Ouais, mais enfin, mon coco, la Switch, elle se rattrape déjà les portages des jeux PS3, PS4. Il y a des portages de jeux Wii U. Il y a des jeux indés qui sont sortis sur d'autres supports, même depuis la 360, depuis une dizaine d'années. Et les mecs, ils te disent ça pour gonfler artificiellement la liste de jeux de la Switch. Ça, franchement, c'est un truc qui me fait marrer, tu vois. Non, parce que 1000 jeux, c'est bien, hein, mais il y en a combien qui valent vraiment le coup d'être joués actuellement sur Switch? Moi, personnellement, à part une dizaine de jeux, je vois pas grand-chose. Hein. Habitué les nouvelles générations des maths et les désintéressés aux possessions matérielles, c'est pas plus mal. Bah, d'un côté, oui, c'est ça comme ils connaîtront pas le physique, c'est pareil, la DGGX, que vous devez connaître, de la chaîne Green Memories, il a fait une vidéo, il est intéressante, là, il y a un ou deux jours. Il parlait des notices, en disant qu'il était pour ou contre le fait que les notices, maintenant, elles disparaissent de plus en plus, vu que les notices, elles sont intégrées dans le tuto du jeu, ou qu'elles sont maintenant intégrées dans un mode d'emploi électronique, quoi. Et au final, j'étais d'accord avec lui. Il disait que les nouvelles générations, elles s'en battront la race de savoir qu'il y avait des notices avant, etc. Comme ils n'auront pas connu ça, ils s'en foutront. Et moi, personnellement, je me rends compte qu'au final, les notices, oui, ça me fait ni chaud ni froid. Alors oui, c'est chiant parce que les notices, c'était quand même des jolis ouvrages qui te permettaient de t'immerger dans le jeu avant même que tu le démarres. Que tu disais, tu vois, après avoir acheté ton jeu, tu vois, tu étais dans la bagnole de papa, tu étais content, tu lisais ta notice, etc. Tu disais la boîte derrière. Maintenant, il reste plus que des boîtes avec juste le descriptif derrière, et maintenant, il n'y a plus rien à part un flyer de commande à la con. Mais voilà, c'est tout, quoi. Moi, en fait, les notices disparaissent, je m'en fous, en fait. Hein. Moi, personnellement, ce qui m'intéresse, c'est le jeu, quoi. Tant que le jeu est en physique dedans, moi, ça me va très bien, quoi. Je lâcherai jamais ma collecte, mais je suis prêt à passer à autre chose. Oui, bah, moi, c'est pareil, ça. Hein. Moi, franchement, je m'adapterai, hein. Si le jeu vidéo doit devenir full des maths, ça me fera chier d'un côté, parce que j'adore le physique, c'est pas un souci. Mais je suis pas hermétique aux débats non plus, quoi. Je sais plus, il y a une appellation, c'est génération qui est le cul entre deux chaises, génération sacrifiée. Tant que les potes, je vais vous laisser, je vais monter la même vidéo, rejoindre Cora. Ok, pas de problème, Koda. Bah, pas de problème, merci à toi d'être passé, bonjour à Cora. Et puis, bah, je te souhaite une bonne soirée, c'était sympa de te revoir, hein, de discuter, comme toujours, pas de soucis. Puis à bientôt, l'ami. Oui, c'est vrai que je crois que c'est la première fois que je t'ai vu sur un live. Peut-être que ça faisait longtemps que t'as dû passer sur un stream, mais c'est vrai que c'est très rare, Koda, en effet. Enfin bon, après, je sais qu'il y a des personnes qui sont pas très live, hein, et je respecte la vie, évidemment, il n'y a pas de souci. Chacun a ses préférences, bien évidemment. La Switch, je vais faire le full set cartonné des jeux. Ah, le full set cartonné, là, tu vas avoir du mal. Il n'y a pas beaucoup de jeux avec le fourreau cartonné. Là, à part Sonic Mania, là, que je connais, ou Shentai. Puis après, c'est tout. J'ai pas idée d'autres jeux là qui aurait de carton là, de fourreau cartonné ou alors de boîte en carton même en fait. C'est une recette de la Switch. Ne date pas d'aujourd'hui, la PS1, c'est le même problème que la Switch. Un jeu bien sur 20 sorti à l'époque, je tenais un jeu, il est sorti que des merdes. Oui, c'est vrai, Zav. Bah, de toute façon, c'est ce que j'ai constaté. Bon, attendez, on va rejouer un peu quand même, parce que là, on a beaucoup parlé. Effectivement, c'était le problème que j'avais constaté sur la PS2. La PS2, tout le monde l'a acheté Day One, mais quand elle est sortie en 2000, mais t'avais quoi dessus à jouer? T'avais Fantavision, qui était un jeu de merde. T'avais Tekken Tag, ok, qui était sympa. Après, je me souviens plus ce qu'il y avait dans le line-up de la PS2. Mais avant que la PS2 commence à avoir les bons jeux avec Jak and Daxter, premier Ratchet & Clank, le premier, enfin, Ico, etc.
La PS2 elle a mis un peu de temps quand même à avoir des bons jeux. Hein. Alors que sur GameCube, alors la GameCube c'était pas forcément la folie non plus, mais la GameCube à la sortie t'avais déjà Resident Evil Rebirth, t'avais Luigi's Mansion, t'avais Star Wars Rogue Leader, t'avais Wave Race, enfin t'avais quand même des bien meilleurs jeux sur GameCube à jouer à la sortie que la PS2 à sa sortie elle-même quoi. Après bon, là je parle de GameCube date de sortie européenne, parce que la GameCube à la date de sortie japonaise et américaine, effectivement c'était pas du tout la joie non plus. Parce que comme nous la GameCube elle est sortie en retard, bon forcément on a eu tous les jeux qui étaient sortis bien avant ailleurs au Japon et aux USA, donc forcément. Il n'y avait pas autant de tutos aussi en début de jeu, maintenant t'as des tutos intégrés dans le jeu. Je me souviens de Chevalier Zodiac, ah oui, ouais, en effet. Bah après tu vois en fait il faut trouver un bon mélange, un bon mélange tu vois entre tutoriels qui t'apprennent le jeu, mais après que le jeu ne te donne pas ses mécaniques et te montre comment l'utiliser. Tu vois par exemple Zelda Breath of the Wild, pour moi Zelda Breath of the Wild c'est un exemple. C'est un excellent exemple de jeu qui marie très bien le rétro gaming, enfin qui marie très bien le côté rétro des tutos avec le côté moderne. Dans Zelda Breath of the Wild, t'as un tuto de 3 heures, le vieux il va te dire, tiens regarde Link, t'as les sanctuaires là-bas qui permettent de ramasser des trucs, viens me voir après, on va faire un truc. Tiens regarde Link, il y a une tour que tu peux grimper pour aller synchroniser la zone et donc avoir après la topographie de la map, etc. Mais après il te dit pas comment aller dans la tour, enfin après c'est à toi de te démerder. Mais après le jeu, il te dit de façon intelligente comment tu vas gérer l'open world de Zelda, dans ce Zelda, comment tu vas t'y balader, comment tu vas découvrir toi-même les techniques de combat, les techniques avancées, genre l'esquive au dernier moment qui active le bullet time, tu vois, ou le fait de grimper, ou le fait par exemple d'avoir une épée de feu dans le dos qui va pouvoir te protéger quand tu vas te balader dans les zones froides, ça c'est à toi de l'expérimenter à travers le jeu. Mais le jeu te donne déjà les outils et les tutos de base, mais sans pour autant rentrer dans les détails à fond. Et ça, c'est intéressant. Breath of the Wild, il a vraiment une alchimie parfaite entre rétro gaming et modernité pour le jeu vidéo, moi, je trouve. Il te donne des tutos au début du jeu, pas trop non plus, pour pas que ça soit assisté comme les trois quarts de AAA actuels, notamment chez Sony. Mais après, Breath of the Wild, dès que t'as fini le tuto, il te dit, tiens, tu vois mon open world ? Bah, démerde-toi, fais ce que tu veux et expérimente toi-même pour voir ce que tu peux découvrir dans le jeu ou les techniques avancées que le jeu te donne. Voilà, et moi personnellement c'est ça que j'ai adoré dans Breath of the Wild, c'est que le jeu te prend jamais pour un point con, il te prend jamais par la main, il te donne des indications, mais les indications pour les avoir, c'est à toi d'aller les chercher et c'est à toi de faire ta propre aventure sans que le jeu ne t'assiste au possible, comme on le voit notamment dans les Uncharted, dans Last of Us, dans les God of War et dans les derniers jeux actuellement quoi. Et ça, pour moi, ça c'est la marque des grands jeux. Tu vois, Breath of the Wild, il a des détails qui sont tout cons. Mais pour moi, paradoxalement, ce sont les détails tout cons qui font la marque des grands jeux, parce que tu découvres des secrets, tu découvres des trucs des années après que tu n'avais pas découvert lors de ta première partie dans le jeu. Et mine de rien, il n'y a pas beaucoup de jeux qui peuvent se targuer de faire ça. Hein. Je tenais un magasin de jeux vidéo. Ah oui, tu l'avais dit, Zav, effectivement, que tu tenais un magasin de jeux. Ça devait être vraiment quelque chose, une belle expérience, n'empêche, de vendeur de jeux vidéo, ça. En magasin, n'empêche. Le démat est un faux débat, le jeu vidéo reste le même, il n'y a rien qui change à part pour les abandonner du net. Oui, voilà, c'est ça, oui. De toute façon, comme je l'ai dit, hein, moi, peu importe la forme que revêt le jeu vidéo, que ce soit du physique, que ce soit du démat, du semi-démat, de l'émulation, du hacker, ce que tu veux, moi je m'en fous, hein, le jeu c'est le même, hein, il change pas. Hein. À part le contrôleur qui change, hein, si genre tu vas jouer à la Super NES avec une manette PS4 ou Xbox One, hein, mais bon, à part ça, voilà, quoi, c'est qu'un détail, quoi. Toki, Pokémon, Fire Emblem, Smash Bros, Octopass, ou les collectionneurs, oui. Les collectionneurs collectionneront les différentes versions de console, c'est tout. Ou alors qu'à l'époque, tu n'avais pas ça avec le retro. Oui, voilà, oui. À coup, je vais dire à Coder et à Korra que pour un âge, il faut avoir l'épée en feu dans le dos. Ouais, non, mais ça, c'est une technique que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, et mine de rien, ça m'a bien aidé, parce que j'en avais ras le cul à chaque fois de porter des vêtements dégueulasses là, pour lutter contre le froid, ou alors de... Surtout, en plus, que dans la neige, ça te ralentit pas mal. Ou alors encore de... ou alors d'avoir... de préparer là des aliments là qui permettent de résister dans le froid là pendant 5 minutes quoi. Là au moins t'as une épée de feu dans le dos, t'es sûr que t'es protégé contre le froid. Alors après, pas le froid extrême, le froid à level modéré on va dire, parce qu'il y a deux types de froid dans le jeu. De même qu'il y a deux types de chaleur d'ailleurs. T'as la chaleur du désert là Gerudo, et puis après t'as la chaleur là, du village Goron là qui est extrême, et là il faut vraiment là avoir une. Je suis même pas sûr qu'une épée de glace suffirait là tu vois. Non, Wubi, maintenant je fais le tri, je vois pas l'intérêt d'avoir 3 jeux sur PS4, One, Switch.
Ah oui, ça c'est clair, hein, Coda. Hein. De toute façon, bah, comme on en a discuté tout à l'heure, moi maintenant, moi je vais à l'essentiel maintenant. Je vais pas, je prends. Après, des fois j'ai quand même des cas, parce que la Switch c'est quand même une console que j'apprécie pour sa portabilité. Et des fois j'ai des jeux que j'ai sur PS4 que je suis tenté de vendre sur PS4 pour prendre les versions Switch pour les jouer en mode portable. Là, il y a pas longtemps, ça m'est arrivé là sur la compilation Mega Drive qu'ils ont sorti sur Switch. La compilation Mega Drive sur PS4, elle était bien, hein, y a pas de problème. Mais en fait, quand j'ai vu qu'on pouvait jouer en mode portable sur la Switch, ce que j'ai fait, j'ai vendu la version PS4. Et la version Switch, je l'avais touché à 15€ à Micromania, mais bon, j'avais de la chance parce que le prix était pas cher. Et j'ai pris la version la Switch de la compilation Mega Drive. Mais je te jure que taper un Street of Rage dans le pieu, un Biohazard Battle, un Sonic 1, un Sonic 2, ou alors des jeux Mega Drive en mode portable sur la Switch, franchement, mine de rien, c'est quelque chose de vraiment sympa, quoi. Et tu te dis, en fait, des fois, avec la Switch, comme elle a cette mentalité hybride d'être une console à la fois de salon mais aussi portable, ça te fait revoir ta vision, en fait, de collectionner, enfin, en tout cas pour moi. Et maintenant, les jeux indés, etc., tant que je peux, si les portages de Switch sont nickel, maintenant, tous les jeux indés ou tous les jeux qui peuvent être joués sur Switch, s'il y a un intérêt, grâce au mode portable, je les prends sur Switch. Avant, je prenais tout le temps les jeux indés sur PS4, maintenant, je les prends tout le temps sur Switch. Là, Céleste, là, il y avait le choix entre la version PS4 ou Switch. Céleste, au final, je l'ai pris sur Switch, là, sur Limited Run. Vous voyez, hein, comme quoi des fois nos mentalités peuvent changer, alors qu'en fait on se dit non, ça changera jamais. C'est donc du coup, ouais, non, voilà, franchement. Et puis il y a pas longtemps, j'ai hacké ma 3DS. Et en hackant la 3DS, comme tu peux y mettre tous les émulateurs, les jeux gratuits 3DS, les jeux DS, etc. Putain, mais ça devient tellement la console parfaite pour les consoles portables Nintendo, de la Game Boy jusqu'à la Game Boy Advance, que au final maintenant la 3DS c'est ma console référentielle pour rétro gaming à jouer en mode portable, quoi. À la Super NES, à la Mega Drive et compagnie sur la 3DS. Et c'est parfait. Et du coup, j'avais pas vu. Allez, salut Zav, merci à toi, hein, désolé, j'ai du retard sur les messages à chaque fois. Merci à toi d'être passé, Zav, je te souhaite une bonne soirée, c'était un plaisir de te revoir. Et donc du coup, j'espère que tu seras un peu plus présent prochainement, peut-être en vidéo, etc. Pour discuter, etc. C'est toujours sympa. Ouais. Allez, à bientôt Zav, merci l'ami. C'est probable, oui. Je te comprends, car ensuite tu vas console du soir dans le lit. Ouais, voilà, c'est ça. Oubi. Ah, je sais, j'ai été méchant, là, j'ai été méchant de te filer le hack de la 3DS, là. Donc, Tu te rends compte, au final, que quand tu hackes une console, ça devient une console référentielle pour bon nombre de jeux. Mais voilà, ouais, non, la Switch, franchement, en mode portable, tu vois, c'est nickel. Surtout que, des fois, ça se prête très bien à des sessions courtes, et que tu te dis, là, tu vois, même Starlink, là, je pense que là, ça, c'est le genre de jeu Starlink, tu vois, comme des fois, il y aura des missions FedEx, etc., et que j'ai pas envie d'y jouer sur la télé. Je pense que j'y jouerai tranquillement en mode portable, quoi, en fait, à Starlink, par exemple. Non, mais en tout cas, bon, après maintenant, bon, après tous ces débats qu'on a fait aussi sur... sur le rétro gaming, sur la collectionnite, etc. en général, bon, je pense qu'on va retourner un peu sur Starlink, quand même. Hop. Merde. Après, il est quelle heure d'ailleurs aussi, j'en peux pas. 23h déjà. Ok, bon, on va jouer encore les quelques. On va jouer encore 15-20 minutes et puis après on pourra se dire au revoir aussi, les gars. Hop, ouais, ok, ça marche, Coda. De rien, hein. Merci à toi d'être passé, on a bien discuté, c'était sympa. Puis bonne soirée à toi et puis à bientôt. Merci, Coda. Allez, salut. Et bonjour à quoi aussi. Allez, salut, ami, merci. Si c'était pas les exclus sur PS4, mon PC, la Switch me suffirait. Ah oui, non mais ça c'est sûr, de toute façon maintenant pour le jeu vidéo tu veux un bon combo, tu prends PC plus PS4 pour le mec qui veut faire l'exclusivité, le PC pour les jeux multi-support si tu veux les faire en qualité graphique HD de la mort qui tue, hein, plus beau que sur PS4, et après il a la PS4 pour l'exclusivité, quoi. Ou après la Switch éventuellement, bon, s'il veut une console de complément pour l'exclusivité Nintendo qui sortiront jamais forcément sur console ou ni sur PC. Mais de toute façon, le problème, c'est que maintenant, tu vois, la Xbox One, c'est la console qui n'a plus d'intérêt. Toutes ces exclusivités seront retrouvées sur PC. La One, il n'y a aucun intérêt à l'acheter. À part pour la personne bon, qui voudrait faire du gros rétro, qui voudrait rattraper une culture Xbox sur les jeux de la première Xbox et de la 360 que tu peux faire en rétro-compatibilité. Et ça, faut avouer que c'est top, hein, quand même, hein, ça, il n'y a pas de problème. Mais, je pense que le combo idéal pour le jeu vidéo maintenant, pour un joueur actuel, hein, tu vois, qui s'en fout d'avoir des versions boîte, etc., je pense que maintenant, le combo idéal actuellement, c'est le PC plus la PS4. Ouais. Maintenant, voilà quoi. Ouais, la mythe PC plus PS4, et après console complémentaire avec la Switch pour les exclusivités Nintendo, tu vois. Franchement, je pense que maintenant, ça suffit, quoi. Il n'y a pas besoin de plus.
Après, quand tu n'as pas les armes adéquates dues au fait du pack, le combat va être chaud. Ouais, bah j'ai cru comprendre ouais, qu'il y avait des armes élémentaires que je pourrais pas avoir, effectivement, Koda. Mais bon, après, moi, le jeu, là, j'y joue comme ça, en mode découverte détente, quoi. Hein. J'y joue pas comme ça pour me dire je vais faire 100% et j'ai besoin de d'autres véhicules. De toute façon, j'achèterai pas d'autres figurines, hein, vu que le jeu, de toute façon, il est même pas à moi, il est à mon frère. Mais de toute façon, bon, après, voilà, si je peux pas détruire tel ennemi, bon, bah, c'est pas grave. Si j'ai pas l'arme adéquate. Merde. Par contre, je joue vraiment comme un pied ce soir, c'est dur. Après, je sais pas honnêtement en vrai si je terminerai le jeu. Hein. Mais franchement, non, il est vraiment cool. Et pour une Switch, hein, c'est vraiment assez impressionnant ce qu'ils ont fait comme open world Space Opera, on va dire. Je pensais plus au côté PC et Switch pour une portable. Ah oui. Oui, remarque, c'est vrai, oui. Bah, surtout qu'en plus, des fois, comme il y a des jeux PS4, comme des fois, t'as des jeux aussi PC ou PS4 qui sortent sur Switch, pour la portabilité, ça peut être bien aussi, quoi. En effet. Ah oui, aussi, outre le fait qu'il y a les éléments, il y a aussi une gestion de la couleur. Putain, merci, codage. Putain, pourtant, en plus, c'est basique, parce que ça a été même dans Borderlands, et ça, dans Borderlands, je le comprenais, j'ai même pas fait gaffe. Ok. Bon, le violet, je pensais que c'était juste, en fait, tu sais, à cause de la nature des projectiles à renvoyer sur l'ennemi pour pouvoir le tuer, quoi. Ouais, de toute façon, ce soir, j'ai vraiment joué comme de la merde. J'étais vraiment pas trop concentré, laisse tomber, quoi. Mais à cette base, il fallait la nettoyer ou il y a rien de spécial à faire ici? La bonbonne de stase, hein, ça permet de paralyser l'ennemi, ça. D'accord, Koda. Ah oui, putain, en fait, le gameplay est peut-être un peu plus poussé que ce que je pensais. Putain. Ouais, effectivement, bon, ça doit être un jeu qui a l'air de s'adresser, entre guillemets, pour les enfants. Notamment à cause bon, du scénario qui est un peu bon cartoon, la gueule des personnages, etc. qui font vraiment assez enfantin, quoi. Mais pour ce qui est du gameplay, je pense pas que pour eux ça sera super facile à prendre en main, quand même. A la limite, là, vaut mieux qu'il y a sur un bon vieux Skylanders ou un Disney Infinity. Hein. Pourquoi, putain, quand j'utilise le bouclier, lui, ça lui renvoie pas dessus, hein. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, mais t'es gentil, mais j'utilise le bouclier, ça renvoie pas son attaque, donc j'en sais rien. Oh putain. Ah oui, bien sûr, non, ça n'a rien à voir avec Skylanders, hein, bien sûr, mais je veux dire, en fait, pour un gosse qui voudrait découvrir le jeu vidéo à base de figurines, je pense qu'il vaut mieux qu'il reste sur Skylanders, quoi, parce que Skylanders, c'est la plateforme basique à prendre en main, quoi. Ah d'accord, ok, en fait, faut faire sauter... Pour faire tenir ces missions secondaires, faut détruire toutes les tourelles et après détruire le. Ok. Batterie dehors, la loi. Ok, ça marche. Bon, ça, c'est les ressources en fait pour. Ça, c'est les ressources pour améliorer les modes en fait et tout. D'accord. Non, mais c'est vrai que je suis vraiment surpris. Hein. Je m'attendais vraiment pas à une telle finition pour un jeu comme ça, quoi. Surtout pour un des concurrents, entre guillemets, qui arrive après tout le monde, et après la mort de tous les concurrents, quoi. Là, pour le coup, tu vois, j'oserais peut-être même dire c'est dommage, quoi. Ce jeu, il serait arrivé en même temps que Skylanders, le Lego Dimension Disney Infinity. Je pense que, franchement, il aurait pu bien marcher. Parce que, vu que son concept de jeu à base de figurines est totalement différent,
Surtout qu'en fait, au final, à part, au final, en fait, là, contrairement à Lego Dimension, Disney Infinity ou Skylanders, le jeu n'a pas l'air d'être trop foutage de gueule. Hein. Je veux dire, le contenu du jeu, il a l'air d'être complet. Hein. Je veux dire, si t'as pas telle arme, ça va pas te bloquer telle zone de jeu, en fait. Là, t'as l'air d'avoir le jeu complet, avec les zones débloquées, etc. Hein. Tu pourras juste galérer contre quelques ennemis parce que t'auras pas l'arme adéquate, mais je pense pas que ce soit... Ah mais non, excellent le... Excellent le clin d'œil avec la vue de Corneria Super NES. Oh non, c'est génial. Putain, c'est franchement stylé quand tu peux utiliser là, l'appel des alliés là, en appuyant sur L. Putain, c'est franchement sympa, ouais. Bon, allez, on va requitter la planète, on va revenir dans l'espace. D'accord, Koda, ça marche. Merci pour les infos. Ouais, non, en fait, c'est vrai que je suis assez surpris hein, par la qualité du jeu. Tu vois, c'est vrai que je m'attendais pas à un truc aussi ambitieux. Franchement, j'ai pas à dire. Même le côté Star Fox est très très bien implanté. Bon, allez, on va aller voir la planète, là. Bon, alors, on va arrêter sur cette planète Heaven. Là, on va s'y balader, puis après, on s'arrêtera là. Après, bon, est-ce que je streamerai encore le jeu, j'en sais rien. Parce que là, en fait, c'est plus un jeu complémentaire. Là, pour l'instant, c'est plus un jeu complémentaire, là, le Starlink, hein, de toute façon je comptais pas y jouer de suite, hein, vu que de toute façon je l'ai reçu de façon surprise grâce au frérot. Mais je pense que je taperai quelques parties comme ça par-ci par-là en mode portable. Notamment pour y jouer. Bah en fait au final, Wubi, moi je me dis que c'est pas si fait que pour les boss tant que ça quand même. Hein. Parce que quand tu vois le gameplay avec la composante RPG de compétences, les vaisseaux à customiser, à modifier, les missions secondaires à base de shoot, de base de ressources, de collecte de ressources, bon enfin, c'est tout ce qu'on a vu dans les AAA actuels, hein, et notamment chez Ubisoft, hein, mais bon, réunir tout ça dans un jeu avec base de figurines, en plus avec le côté spatial qui fonctionne très bien, et au moins c'est... Après c'est peut-être répétitif, mais bon, au moins comme on est dans des vaisseaux qui vont super vite, on se tape pas la lenteur rigide, genre d'un Assassin's Creed, etc., dans l'open world, quoi. Donc ça, c'est pas mal. Franchement, ils ont pensé à tout, quoi. Pour les accessoires, les vaisseaux 10 balles maxi, perso 3€ et arme 2€. D'accord. Non, mais de toute façon, je pense que je vais rester juste avec le set de base, hein, avec le Fox et... Je pense pas que j'achèterai autre chose. Et même les phases de shoot-up, ça raconte bien, hein. Franchement c'est sympa. Hein. C'est peut-être même mieux qu'au final que Star Fox Zero lui-même, hein. C'est ça qui est paradoxal. Après, les déplacements d'une palette à l'autre, c'est long, mais tu auras les ronds violets qui apparaîtront si tu... Et si tu passes pas dans les ouvertures, des vaisseaux t'attaqueront. D'accord, ça marche. Ouais, mon serveur, il y avait un patch de 300 mégas ou 400 à télécharger, ouais, oublie quand j'avais inséré la cartouche, en effet. Ça m'avait surpris d'ailleurs, parce que je pensais que le jeu était 100% complet. Mais alors après, est-ce que c'est les mises à jour qui corrigent des bugs, ou est-ce qu'elles rajoutent des... Ou est-ce qu'elles rajoutent des... Enfin, est-ce que c'est des corrections de bugs, ou ça rajoute des contenus gratuits, j'en sais rien. À voir. Ok, Koda, ça marche. Allez, bonne soirée, l'ami, merci à toi d'être passé. Et bonjour à Koda. À bientôt. Salut.
De toute façon, je vais pas tarder à arrêter aussi. Là, on va déglinguer ces types. Là, on va explorer vite fait la planète, voir à quoi elle ressemble. Et puis, je vais aller aussi. C'est vrai que c'est assez grisant hein, de voir quand tu te rapproches de la planète, tu vois que ça zoome, tu commences à voir le paysage en dessous là, de la couche de nuages. C'est assez bluffant quand même. Hein. Puis la transition est tellement bien faite, tu vois pas de bug ni rien, c'est impressionnant franchement. Oh putain. Une planète à base de sel rouge là, on dirait. Fortifications detected. All right, guys, I made it to Haven. Where am I headed? Just keep your eye out for an old refinery. Should be near a river. Copy that. So Shade. Have you known this guy long? No offense, but you don't seem like someone who makes friends with, well, anyone. Hey, I never said we were friends. We met back when he was still taking jobs. He used to be one of the baddest bounty hunters around. Used to be? He lies like 300 years old. Saw too much of the world and stopped making sense of it, I guess. Always ranting about the world being secretly run by Krakna or whatever. One day he just packed it in and set up his own digs. Sounds like me. When I started developing Starlink, I tried to get funding. Everyone thought I was crazy. Well, jury's still out on that. Warning. Prickle burr attached. Throw or attack the prickle burr to dislodge it. Non, c'est vrai, graphiquement, c'est, je suis étonné, hein, c'est vraiment joli pour de la Switch. Putain, c'est échant ces saloperies, là, de pique de merde. Non mais franchement oui, non mais moi je le trouve vraiment sympa à jouer, mais voilà, tu vois, j'y passerai pas ma vie, hein. Après est-ce que je finirai le jeu aussi, tu vois, j'en sais rien, c'est clairement pas une priorité, parce que là, de toute façon je préfère continuer Céleste et après je vais passer à Ice, et après il y aura Resident Evil de remake, mais tu vois, je pense que là, il joue en mode portable par-ci par-là, ben je vais le faire, tu vois, je pense que je continuerai le jeu petit à petit, tu vois, au pieu, si je me fais chier, en mode portable, etc, ça peut être sympa, surtout que maintenant on peut jouer avec des vraies manettes, donc ça c'est bien, bon après ce qui est chiant, c'est qu'il faudra apparemment tous les 7 jours, là, quoi, d'après ce qu'a dit Zav, il faudra à chaque fois resynchroniser les véhicules sur le grip spécial, parce que forcément sinon tu pourrais prêter les figurines et comme ça le mec il aura plus besoin de d'acheter d'autres figurines quoi. Mais non franchement sinon au moins c'est sympa, au moins il y a pas mal de possibilités, puis on peut jouer avec la vraie manette, ça c'est bien. Bon, franchement je suis vraiment surpris par le jeu. Bon de toute façon moi je vais m'arrêter parce que je commence à... Là je fais plus rien, là, de toute façon vu que le début on l'a discuté tout à l'heure, je suis même plus concentré sur le jeu, je fais n'importe. Sauf que je commence à être crevé, il est 23h15 là. Non mais franchement ouais, c'est vrai que Starlink, je pensais pas de base, hein, je pourris, hein. Mais je m'attendais pas non plus à une aussi bonne surprise, franchement.
Je me disais, ouais, bon, ça va être sympa. Ça va être, ouais, vite fait, sans plus, quoi. Ça va être vite répétitif, ça va être vite nul. Il va pas y avoir d'ambition, etc. Au final, non. Je suis vraiment surpris. Après, c'est pas la folie furieuse non plus. Hein. On va pas non plus commencer à obliger. Enfin, à. Comment dire. À encenser Ubisoft, hein, faut pas déconner. Mais franchement, c'est un gâchis de se dire qu'ils sont arrivés trop tard après la bataille des jouets vidéo, parce qu'ils auraient sorti ça un peu après Skylanders. Je pense que franchement, ils auraient pu cartonner. Ils auraient sorti ça sur 360, PS3, la Wii, Wii U, à l'époque. Je pense que le Starlink, il aurait vraiment pu bien marcher avec une bonne communication marketing, parce que franchement, le jeu avait un potentiel qui fait que c'est un jouet... C'est un jeu à base de figurines qui se joue différemment. Qui se joue différemment de Skylanders ou de Lego Dimension et Disney Infinity. Quand ils pensent, c'est vraiment dommage qu'il soit arrivé en retard, en fait. Parce qu'il a vraiment. Il avait vraiment un putain de potentiel. Et là, quand il joue, tu vois que le jeu, même s'il a un scénario, bon voilà, qui a l'air assez osef, il a des personnages complètement caricaturaux possibles avec un design de merde. Mais le gameplay est là. Il est plutôt solide. Donc. Et même la partie Star Fox, hein, c'est ça le pire, même la partie Star Fox a l'air d'être, de ce qu'on a vu, est bien intégrée, c'est pas juste dire, tiens, on met un skin et basta, quoi. Donc franchement, agréablement surpris. Après, bon, j'attendrai d'avancer un peu plus en détail le jeu par-ci, par-là, par petites sessions. Mais en fait, là, j'ai envie de dire, dommage Ubisoft, parce que là pour le coup, Ubisoft me surprenne de façon agréable. Je m'attendais vraiment pas à une telle surprise. Sans que ça soit la folie furieuse, bien sûr. Parce que Ubisoft, hein, qui sont toujours habitués à faire des Assassin's Creed Beast, là, des The Division, là, tout plein de jeux dispensables, là, ils te sortent ça en plein milieu au calme, comme ça, en te disant, tenez, on crée une nouvelle licence à jouer à base de figurines. Ce sera mixte le Space Opera Shoot'em Up avec composante RPG, bon, avec mission FedEx, certes, mais qui, paradoxalement, donne une exploration spatiale vraiment sympa, et c'est con de se dire, Ubisoft, que vous êtes arrivé en retard, en fait. C'est vraiment dommage. Parce que là, quand on joue au jeu, au final, moi je m'attendais vraiment à un pur truc générique, vraiment pas terrible à jouer. Enfin, générique il l'est, hein, ça va pas se mentir. La direction artistique, elle est pas vraiment très inspirée, quoi, au niveau des designs, des aliens, des vaisseaux, etc. Mais, bon, pour un jeu comme ça, ça fait le taf. Et puis, même si il est générique dans sa direction artistique, ça veut pas forcément dire qu'il est moche, parce qu'il a quand même une esthétique qui est quand même très propre. Surtout pour une Switch. C'est là que je suis agréablement surpris, quoi. Donc au final, ça m'étonne pas que le jeu, en fait, il doit être grand pour une Switch et qu'il y avait eu besoin de télécharger un patch de 5 Go pour ça, quoi. Donc bon. Non, enfin, ouais. Après, bon, j'attendrai de le continuer plus tard, mais peut-être que j'en ferai un test vidéo, j'en sais rien. J'attendrai d'avancer vraiment plus en détail pour l'instant dans le jeu. Je sais même pas combien de temps il dure, hein. Peut-être une quinzaine d'heures, je pense. Mais voilà, petite surprise sympathique de la part d'Ubisoft. C'est vrai que ça fait plaisir, vu qu'Ubisoft, généralement en ce moment, bah, ils se reposent trop sur leur laurier, quoi. Mais bon, c'est juste dommage qu'ils sortent un truc en retard après tout le monde, quoi. Surtout quand le marché du jeu vidéo à base de figurines est mort, quoi, depuis des années. Ok, Chewie, pas de problème. Bonne nuit, l'ami. Merci à toi de passer, puis à bientôt. Salut. Il vaut le coup, le gars de collection. Bah moi, écoute, franchement, je trouve que cette compilation, elle est cool. Alors malheureusement, bon, elle a 2-3 petits soucis, genre un léger input lag sur certains jeux. Mais en globalité, si tu veux te refaire du Street of Rage, certains jeux que t'as aimé en mode portable, ça marche plutôt bien, malgré un très léger input lag, mais sinon, moi je trouve que cette compilation, elle est cool. Elle a à peu près les meilleurs jeux de la Mega Drive que je voulais dans une seule compilation, genre Alien Soldier, il y a Gunstar Heroes, t'as du Biohazard Battle, t'as les Sonic forcément, Sonic 1 et 2, t'as les Shinobi, t'as les Street of Rage, bon, les classiques de chez classique, quoi. Mais franchement, cette compilation, moi, pour moi, elle est vraiment cool. En plus qu'elle a Landstalker aussi, elle a... Comment il s'appelle, l'autre jeu, là le Story of Thor. Non, franchement, elle est plutôt bien garnie, quoi. Même si, bon, ça aurait pu aller plus loin et qu'il manque beaucoup de bons jeux. Mais bon, après, certains ne pouvaient pas être mis non plus pour des raisons de droit, ce qui est logique. Mais après, il y a des choix incompréhensibles, genre, t'as pas Sonic 3 avec Knuckles, t'as pas les Cold Dauphin 1 et 2. Ça, c'est... Par contre, c'est bizarre, alors qu'ils étaient présents dans l'ancienne compile. Sur PS3, c'est bizarre qu'ils les aient pas mis. C'est dommage, mais bon, après, c'est qu'un détail, hein, je veux dire. Moi, si je l'ai pris, c'est essentiellement pour Biohazard, les Sonic, Street of Rage, Alien Soldier, et ce genre de surprise. Mais franchement, non, cette compilation Mega Drive, tu peux la choper à 15€, elle est pas mal.
Après, bon, maintenant que toi t'as hacké la 3DS, franchement, non, je te dirais que c'est pas très. C'est vraiment pas. C'est dispensable du coup, oui. Maintenant que t'as la 3DS hackée, laisse tomber, c'est vraiment dispensable. Parce qu'il y a un émulateur Mega Drive que j'ai installé il y a pas longtemps là, qui peut même lire les jeux Mega CD. Et l'émulation, quand j'ai testé un Sonic 3, j'ai testé un Echo, j'ai testé un Alien Soldier, etc. L'émulation de l'émulateur Mega Drive sur 3DS, elle est parfaite. Donc du coup. Je pense que t'as pas besoin d'acheter forcément la compilation Mega Drive. Sauf si vraiment tu veux jouer sur un plus grand écran avec la Switch de façon plus agréable et avec. Il y a 15 balles quoi, mais sinon non, c'est pas. Sinon tu auras pas grand chose. Même si moi je la trouve pertinente quoi. Mais à 15€ pas plus quoi, évidemment. Voilà voilà beau gosse. En plus, t'as même un émulateur Super NES, un émulateur PC Engine qui peut aussi lire les jeux PC Engine CD. Enfin, voilà, hein, sur la 3DS, c'est nickel. Faut que je te les file si tu veux. Ok, surtout qu'il y a des. Ah, pour toi, il y a que des Joseph. D'accord, ça marche. Non, pour moi, j'y trouve encore mon compte pour une dizaine de jeux, hein, on va pas se mentir. Pour moi, il y a vraiment une dizaine de jeux qui me font plaisir à rejoindre votre portable dans la compilation. Mais je peux comprendre, hein, y a beaucoup de jeux pourris qu'ils n'auraient pas dû mettre. Quoi. Et surtout qu'ils ont viré les Echo que j'avais beaucoup aimé. Même si, bon, Echo, maintenant, j'y jouerai que sur Mega CD à cause des musiques orchestrées. Parce que les musiques sur Mega Drive, elles sont immondes sur Echo. Et après, c'est juste dommage qu'il n'y ait pas Sonic 3 et Knuckles. Bon, après, maintenant, il y a Sonic Mania. Bon, au final, on va dire que ça remplace, quoi. Et puis voilà. Mais non, oui, donc du coup, hein, te prends pas la tête, mets l'émulateur, quoi, Mega Drive, mets les ROM, et puis tu seras tranquille. Tu peux même mettre les jeux Mega CD aussi, même 32X, donc du coup, fonce beau gosse, quoi, hein, te fais pas chier, quoi. Enfin, fonce, je veux dire, télécharger l'émulateur et mets tout ça sur ta 2DS XL, quoi. Allez, bon, bah, du coup, bon, je vais y aller. Bon, bah, sur ce, bah, du coup, bah, bonne nuit, Ubi, hein, bonne nuit aux autres viewers, s'il reste encore des gens. Merci à vous d'être passé, hein, c'était vraiment très sympa, donc, voilà, bon, je vais pas répéter ce que je dis sur Starlink, hein. Je laisse la rediffusion, hein, pour les intéressés. Désolé, après, pour ceux qui auraient voulu voir un peu plus de jeux, parce qu'on a eu au moins une bonne demi-heure de monologue, là, de discussion sur la mode du rétro gaming de la collection. Mais, du coup, bon, c'était sympa. Voilà. Allez, bon, bah, sur ce, du coup, bah, je vous souhaite, une bonne année encore, hein, 2019, meilleurs vœux. Puis du coup, ben, un bon dimanche en avance. Et puis merci à vous d'être passé, c'était bien sympa. Et puis ben, à bientôt donc pour de nouveaux streams, je pense, ou de la vidéo, j'en sais rien. On verra bien. Allez, bon bah sur ce, bonne nuit Ubi, bonne nuit tout le monde. Merci les amis. Salut tout le monde. Ciao.